Welcome for the tonight's new show of Radio Libertarian here in live in London. Welcome everybody. Yeah, I'm sorry there wasn't sound. I have to welcome my fellow guest here. With me tonight, we've got Etomit Rodemat. Welcome, Etomit. Oh, he said bonsoir. This is really cute. How are you, Etomit? Okay, he looks fine. It's nice. Nice to have you tonight. And with us for that incredible show, for that celebration, we've got the greatest of all, Adam Villian. Welcome, Adam. I think he said cheese and ham. Mais bon, j'en suis pas sûr. Bienvenue à tous, je pense, ça fait une minute. Le début de cette émission devait se faire en anglais. Ça a été la demande de Vladjo. Merci Vladjo qui a payé de sa poche pour nous faire commencer l'émission en anglais. Toutes mes félicitations, Vladjo. Lio a compris comment fonctionnaient les Libcoins, donc ça va. Mais pour les autres, donc au fur et à mesure que vous regardez l'émission, vous allez gagner des Libcoins. Si vous êtes follow ou si vous êtes abonné, vous avez des bonus. En récompense, vous gagnez un peu plus de points. Et avec ces points, vous pouvez les dépenser pour quelques petites récompenses sympathiques. On va en donner quelques exemples. Yes, Lio, merci. Vous avez... Merci pour le follow. ZS qui cite le Z. Donc c'est JS qui doit citer à faire une citation random, par exemple. Vous avez quoi d'autre? Donc vous avez le Obey. Nio a payé le Obey. Ah, t'as payé le Obey. Putain, je l'avais pas vu. Oh putain, désolé. T'inquiète, je suis là pour regarder ça. Donc voilà, tu dois porter ton Obey. Bon, ça va, il fait pas trop chaud, donc ça va. Mais l'été, si on laisse te récompense, tu vas bien cramer. Obey. The propaganda. Ah putain, ouais, c'est trop la classe. Je suis sûr que t'es heureux d'avoir payé pour ça. Tous leurs points, les gars. Ouais, méfiez-vous. Faut pas tout cracher direct. C'est la minute poète. Donc la minute poète. C'est parti pour la minute poète. Le Godmiché de la gloire. Par Théophile Gautier. Un vie sur la place Vendôme. Gamma huché par l'Aquillon. Décalote son large dôme ayant pour gland Napoléon. Veuve de son fouveur. La gloire, la nuit, dans son con souverain. Enfonce tirage illusoire, ce grand Godmiché des reins. Voilà. Oh, je suis sûr que ça va plus aller au beat, ça. Putain, vous offre du rêve ce soir. Franchement, c'est beau. Oh putain, ils envoient. C'est quoi osculum? Osculum. Osculum, c'est du latin. Ça veut dire baiser. Donc du coup, JS, tu dois désigner qui va devoir, à chaque fois qu'il prendra la parole, embrasser le bouquin de son auteur préféré. Ah, libertarien, bien entendu. Bah écoute, ça va être Etomit qui va le faire, puisque il n'a pas encore... Non, c'est pas Etomit, c'est JS qui doit... Désolé, c'est Julien qui doit... Ah putain, mais oui, c'est Julien, désolé. Non mais je pensais que quand j'avais le je pensais qu'avec le bonnet obéi, vous deviez tous m'obéir en fait. Je me suis trompé, je crois. Tu rigoles ou quoi? Là ils dépensent tous leurs points, tu vois, de la semaine dernière. Ils ne pensent pas économiser, tu vois, pour la suite. Mais bon. Putain, la préférence temporelle elle est très faible sur le chat ce soir. Donc Julien, faudra que tu
que tu décides qui devra baiser donc son auteur préféré. JS, ouais. Tu devras faire le show à un moment donné dans la soirée, hein, bien entendu. Et donc, Keynes is in the place a été récupéré. Donc, Etomit, tu devras lire une citation de... Je l'ai. Ah bah vas-y, alors. Réfléchir à long terme est une mauvaise méthode pour résoudre les problèmes économiques, car à long terme, nous serons tous morts. Ah, le classique. Assez connaître. Elle est assez... J'en ai d'autres après. Adam. Bon, j'avoue, me faire rire, c'est pas difficile normalement. Ça fonctionne bien. Oh putain, Adam est parti dans la fromagerie. Il est allé nous chercher un petit fromage au fond de la cave. J'ai l'impression que c'est un. Ah. Je sais pas, j'hésite entre un reblochon. Il a disparu. C'est lequel ? Ah oui, on voit mon cul, c'est tout. C'est drôle, jusqu'à ce que je revienne. Ok, est-ce qu'on peut savoir ce que t'as baisé quand même ? Merde, on voit pas. T'en vois rien du tout, on voit juste ta main. Ah merde, avec les fonds d'écran, vous voyez pas. Je l'enlève. Deux secondes. C'était peut-être le Larousse des fromages de France. Ah. Ah oh. Bah bien sûr, c'est à l'envers. C'est Hans Hermano, pas bien entendu. Oh, putain, ça rigole pas. Hein. Putain, ah bah non, normalement c'est à l'endroit, je sais non, pas. C'est à l'endroit. Okay. Putain, la version française. Et en plus, l'édition qui n'est plus faite. Ouais, c'est clair. J'ai jamais vu là comme où ça. Où c'était tous les petits fascicules, tu vois. C'est super pratique. Oui, j'en ai deux, trois comme ça. Sur le féminisme, sur... sur la démocratie aussi. J'en ai un autre sur la sécurité privée. Ce soir-là. D'accord. Énorme. Bon, alors, je vais faire juste la petite parenthèse pour répondre à Nio en même temps. Alors, attendez... que je reprenne les petits fonds d'écran, tac. Du coup, c'est à l'envers. Comment ça, c'est à l'envers ? Alors, pour le lire, il vous suffit de mettre un miroir devant votre écran et de regarder. Ah. C'est pas compliqué. Hein. C'est... Attendez, je vais corriger ça. C'est pas grave. Tac. Oh là là, cet informaticien de génie. Voilà. Là, vous devez le voir normalement. Eh ben non. Non, toujours pas. Même pas. C'est sérieux, là. Que ça m'énerve, Skype. Toi, on te voit en... Ouais, mais non. Bah oui, mais non. Alors, c'est lequel, ça? C'est bizarre que vous le voyez pas à l'endroit. Ah là là, ce live, on va s'en rappeler. Non, c'est toujours pas bon, je suppose. Non. Il n'y a rien qui a changé. Ouais, strictement rien. Donc, on va reprendre l'autre. Ce n'est pas grave. Ah, c'est bon. Ok, voilà. Merci. Bon. Ouais, mais c'est... Bah non, parce qu'en fait, dans... Bah moi, je vois bien dans les deux. Stream, il est... Ah si, sur le stream, c'est bon. Bah, en fait, il fallait le mettre à l'endroit pour que les fonds d'écran soient à l'endroit. C'est bizarre. Ouais. C'est pas... Wouah, repossession. Repossession, hors la loi contre le Léviathan, sortie imminente, le suite est arrivé. Voilà, je vous l'annonce. Ils seront disponibles très bientôt. Alors malheureusement pour vous, celui que je porte, me va parfaitement bien. Donc du coup, je le garde. Je comptais peut-être le faire gagner ce soir, mais bon, finalement, ça sera, c'est mort. Hein. Donc, comme vous pouvez le voir... Ce cher Opeu... Alors, on n'arrive pas à lire hein, ce qui est marqué dessus, malheureusement. Ah, t'arrives ? Ah oui, bah c'est moi, c'est chez moi, c'est petit. Et ensuite, dans le dos,
Ah, on va quand même montrer le dos, hein, ça serait pas mal. Bah, quand on a un beau gosse pour nous montrer, on dit pas non. Hein. Attendez, je vais vous faire des publicités, les gars. Vous avez jamais vu ça. Ah, ce défilé de mode. Wow. Si ça, c'est pas la classe, hein. Putain, repossession, un pull repossession porté par Michael Phelps, quoi. Que d'émotion. Bref, donc repossession, qu'est-ce que ce sera? Qu'est-ce que ce sera donc? Ah, c'est le moment publicité. c'est pas encore pub. Repossession, donc ce sera une plateforme clairement ouvertement OPN, hein, principalement. Donc d'aucuns diraient libéral conservateur, d'autres paléo conservateur. Qu'est-ce que je raconte? Paléo libertarien. Fasciste peut-être. D'autres diraient juste des hommes sensés. Donc il y aura des articles, des traductions d'articles que vous n'avez jamais lus en France, d'auteurs un peu planqués, on va dire. Des inédits aussi de Bloch, Rockwell, etc. Enfin, il va y avoir pas mal de choses. Et donc, il y aura aussi un shop avec, pour l'instant, donc, ce design. Il y aura d'autres designs aussi, avec des illustrations originales. Voilà, ça va péter. Ça va péter le steak. À mon avis, les Américains vont vouloir aussi acheter nos t-shirts et nos mugs, nos bonnets et nos slips. Donc, ça va être cool. Voilà. Et ça centralisera, en fait, aussi... parce que le but, comme le terme l'indique, repossession, c'est reprendre possession de notre liberté. Et donc, il y aura aussi un moyen de se concerter tous ensemble pour pouvoir faire du travail, n'importe quel travail hein, d'ailleurs, hein, vous concerter, vous retrouver. Voilà, un tel est plombier, moi je suis électricien, allez hop, c'est parti. Sans passer par le gentil petit état. Voilà. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui vont arriver sur le site. Il est encore en train de se fignoler, là, dans quelques jours, il arrive. Et donc, vous pourrez acheter ce magnifique suite. 280 grammes, 80% coton. On se fout pas de votre gueule. Le prix, vous le verrez bien, ça sera une surprise. Possibilité de payer en Monero, d'ailleurs. Et donc, ce soir, c'est quiz. C'est quiz pour fêter notre affiliation. Alors l'affiliation permet une chose pour les spectateurs notamment. Attends Adam, excuse-moi de t'interrompre. Juste avant que tu partes là-dedans, j'ai juste essayé de modifier le son. On va faire un test et vous allez me dire si on vous entend. Parce que là j'ai peur qu'il y ait un petit délai entre la vidéo et le son avec ce que j'ai fait. Alors je vais essayer de faire une autre méthode. Bah on demande juste au chat. On demande juste voilà. Au chat. Donc là, déjà le chat, est-ce que vous entendez Adam là? Adam, tu peux parler? Bonjour, je suis Adam Villon. Je suis voilà, très est-ce beau que vous entendez Adam? Il y a un petit délai image-son, apparemment. Cher chat. Ah, salut Udiac. J'avais même pas vu que t'étais arrivé. Salut Udiac, oui, effectivement. Ah bah c'est bon, ok, super. Donc dites-moi s'il y a un délai son-image. Théoriquement, là, ça devrait être un peu mieux. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me faire signe. Bah et voilà, excuse-moi Adam, je te laisse continuer. Non, pas de souci. Je vais répondre en même temps à Udia que les gauchistes vous traiteront de fascistes aussi éloignés que vous puissiez être de ces derniers tant que vous serez éloignés de leur position à eux, les gauchistes. Oui, effectivement, et on les emmerde. Bon, bah voilà. On est comme ça. On n'est pas là pour jeter des fleurs avec repossession. Ça va être violent. Hein. Repossession, c'est saignant, c'est acide. Voilà. C'est pas le truc tout gentillet, machin, non. Oui, il faut rappeler que... Ouais, que Adam est méchant, faut-il le rappeler? Tout à fait. bref, et donc ce que je disais, oui, donc ce soir c'est le quiz spécial affiliation. Effectivement, les impôts sur la succession, c'est du vol, comme tout ce que fait l'État, c'est du vol. Mais ce n'est pas, forcément le but ici, on ne va pas vous voler. Par contre, on aimerait que vous payiez, oui, effectivement. Donc lâchez vos abos.
On en aura moins à offrir. Ah, Louis de Mise. Bonjour, Louis de Mise. Trop. T'as putain, Louis de Mise, ça faisait un bail quand t'avais pas vu. On arrive en retard. Et voilà. Oh, c'est pas vrai, ça. Bon, t'as pas loupé le quiz, il a pas commencé encore. Je remplis plus toute la case. Ah, voilà. Ouais, non, mais c'est parce qu'en fait, y a on a mis un fil sur Radio Libertarien qui fait que dès qu'il y a une image de Kenz, elle est censurée, ouais, en fait. Donc là, ça a du mal parce qu'il y a la tête des Tomites, mais à la fois la tête de Kenz, on sait pas trop s'il faut la virer ou pas, quoi. C'est ça. Donc, je disais, je vais réussir à finir la phrase de présentation. Hein. Courage. Donc, ce soir, on fait un quiz spécial pour notre affiliation, l'affiliation qui vous permet déjà de nous aider, hein, c'est pas mal. Ah, ça, je préfère tout de suite, et tôt vite. Là, ça j'aime, tu vois. Par contre, c'est à l'envers. Putain, sur encore. Le Twitch. Donc, l'affiliation vous sert aussi à choper ces petites emotes. Voilà, que je vous balance là maintenant. Donc, c'est toujours intéressant, c'est sympathique. Ça vous permet quoi d'autre? Oui, ça vous permet de ne pas avoir de lag si jamais il y a du troll ou autre, on met un temps de latence dans les réponses. Enfin bref, ça permet pas mal de choses, l'abonnement. Si vous avez le Amazon Prime, vu que Twitch est affilié à Amazon et que forcément nous aimons le capitalisme et surtout Bezos, vous pouvez vous abonner gratuitement avec votre Amazon Prime. Voilà. Gratuitement pour vous, et pour nous ça nous offre quand même un peu d'argent, ce qui n'aidera pas à payer une meilleure caméra à Ellie, mais peut-être à terme, on verra. Donc voilà, donc du coup pour fêter tout ça, on fait un petit quiz. J'en sais rien. On fait un petit quiz, donc il y aura un quiz général sur le libertarianisme et un quiz sur la chaîne. Donc j'imagine, je pense déjà savoir, déjà connaître les gagnants de ce quiz. Comme récompense, donc les premiers des deux thèmes. Enfin, c'est surtout le premier thème, en fait, qu'il aura le choix. Le deuxième, il n'aura pas le choix, du coup. Donc, le premier aura comme récompense, comme le deuxième, un abonnement offert. Et le premier aura le choix entre un livre libertarien. Est-ce que vous avez déjà décidé du livre? Non, des trois livres à proposer. Ou est-ce qu'on lui fait directement... Ah oui, non, c'est une bonne question. Dit directement, vous choisissez sur édition Résurgence, faut pas que ça dépasse un certain montant, voilà, hein, bien entendu. Et puis, ça sera offert, ce livre-là. Et l'autre choix, bah, c'est un mug avec, justement, le petit Hop, un mug Repossession, avec Hop et écrit dessus expulsion physique des ports démocrates. Voilà. Donc pendant que vous faisiez une petite visio avec votre grand-mère, vous pouvez boire votre café là-dedans, c'est sympathique. Voilà, donc les premiers auront le choix entre un livre et un mug, plus un abonnement, et le deuxième que des abonnements, parce qu'à un moment donné, hein, quand on est nul, on est nul. Et les derniers, bah, ils n'ont rien, hein. Il faudra qu'ils reviennent. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que celui qui arrivera dernier au quiz... il sera expulsé physiquement en hélicoptère. Voilà. Voilà. Ban définitive. Je ferai appel à l'hélicoptère qui viendra vous chercher. Donc, essayez de ne pas arriver dernier quand même. Même si vous voyez que vous êtes dans les derniers, il faut se battre pour ne pas être dernier, quoi. Parce que, voilà, ce serait quand même triste. Petite précision, pour participer au quiz de ce soir, vous passez votre petite souris sur l'écran. Vous avez un petit carré à droite de l'écran, « Quiz kit ». Il vous suffit de cliquer dessus, de faire gérer les accès et d'autoriser. Le quiz apparaîtra sur votre écran. Il faudra cliquer sur l'écran. Voilà, c'est tout simple. Après, si, mobile, alors sur mobile, pour le coup, ça fonctionne aussi. Sur le mobile, en fait, c'est quand vous êtes, vous voyez la fenêtre de chat
Alors, quand, tout en haut de la fenêtre haut à de droite, ouais. Voilà, tout en haut à droite de la fenêtre de chat, donc à droite de marqué chat, il y a le petit carré, le fameux petit carré qui est en fait le carré Quizkit. Donc quand vous cliquez dessus, il y a Quizkit qui va s'afficher. Et là, il faudra mettre un truc du genre lier l'identité ou alors accorder l'accès, un truc qui s'appelle comme ça, soit accorder l'accès, soit lier l'identité, et c'est là-dessus qu'il faut cliquer. Et après vous confirmez bien que vous donnez l'accès à Quizkit. Donc il va permettre donc à cette application d'afficher le quiz sur votre écran et vous aurez juste à cliquer sur les réponses. Alors soit avec votre doigt sur le téléphone, soit cliquer avec la souris tout simplement sur la bonne réponse et elle sera prise en compte. Voilà. Donc c'est vraiment interactif. Mais par contre, je suis désolé, il faut passer par cette étape où il faut que vous activiez en gros Quizkit. Voilà. Ce qui nous permettra aussi de voir votre nom. Et donc de pouvoir donner le classement et de voir qui aura les lots, qui n'aura pas les lots et juste qui est classé où, combien. Voilà. D'ailleurs pour les lots physiques, il faudra aller sur le Discord de Radio Libertaria et nous envoyer un message privé à l'admin avec votre adresse forcément, si vous voulez recevoir pour le premier de chaque catégorie votre petit cadeau physique. Il y aura un moule de ma verge, bien entendu, compris. Hein. Du coup, ça ne sera pas trop beau. Est-ce que, Adam, tu peux peut-être juste réexpliquer les Libcoins, parce qu'au début, on s'est pris une avalanche d'actions avec les Libcoins, mais en gros... Depuis qu'on est affilié, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous regardez la chaîne, vous gagnez des Libcoins. Le simple fait de regarder, ça vous fait gagner des Libcoins. Karakaki, oh. Merci. Attends deux secondes. Merci à Karakaki. Merci pour le follow. Merci à toi. Donc, c'est bon, tu es devenu un libertarien. Bravo. C'est très bien. Bravo à toi. Et cette explosion d'émoticônes à l'écran. Putain, une explosion de Rosebard et de Hopeux, quoi. C'est magnifique. Magnifique. Il devait y avoir Mrs. aussi, mais Twitch n'a pas aimé l'émoticône. N'a pas voulu que je la mette, donc bon, faudra trouver une autre solution. Donc voilà, pour vous rappeler rapidement, vous gagnez des Libcoins. Donc là, par exemple, Karakaki s'est abonné, oui, il a gagné aussi des Libcoins par cette action-là. Mais l'idée, c'est qu'en bas du chat, en bas à gauche de la fenêtre de chat, vous avez le nombre de Libcoins. Et quand vous cliquez dessus, vous voyez ce que vous pouvez acheter avec les Libcoins. Donc les Libcoins, c'est notre monnaie. C'est la monnaie de la chaîne de Radio Libertarien. Et donc une fois que vous cliquez donc, sur cette petite monnaie là qui est en bas à gauche de la fenêtre de chat, vous pouvez voir toutes les actions que vous pouvez acheter avec le prix que ça coûte. Et donc là, par exemple, quand on a débuté le live, on l'a commencé en anglais parce qu'il y a une des choses que vous pouvez acheter, c'est de nous faire parler en anglais pendant une minute. Voilà, c'est juste un exemple. Mais vous pourrez regarder, il y a plein de choses que vous pouvez acheter avec. Donc voilà, ça fait partie des choses fun que propose l'affiliation. Et c'est pour ça qu'on l'a faite ce soir. Voilà, par contre, je suis vraiment désolé, Le Libcoin est une monnaie inflationniste, c'est-à-dire qu'il y a de la création monétaire constante. Mais je vous promets qu'on va contrôler les prix, on va essayer d'avoir une inflation qui ne dépassera pas les 2%. Bon, vous êtes chaud pour le quiz ? Je pense que tout est bon. Je pense que tout le monde a dû comprendre comment ça fonctionnait. Est-ce que vous avez tous activé le quiz kit ? Si c'est bon, on va commencer. All right. Donc comme c'est moi le présentateur du quiz, je vais passer en micro-présentateur. Activer quoi ? Udiac, t'es sérieux ? Putain, c'est complexe ce soir. Est-ce que tu es sérieux, Udiac ? Juste pour savoir. Yo. Voilà, je passe en mode présentateur. J'espère que vous m'entendez bien. Hop. Ok, nickel. Salut Benoît. Alors oui, Jack, tu cliques sur la... Tu vas sur ton écran, là, l'écran de Twitch. Pour Benoît, pas sur Benoît le chat, écoute bien aussi ce que va dire Adam, là, parce qu'on va commencer le quiz et il faut activer
ce qu'ils appellent le quiz kit. Vas-y, explique-nous, Adam. Explique-nous une dernière fois. Donc, comme dit Nio, tu survoles le stream avec ta souris et tu as une petite boîte quiz kit à droite. Tu cliques, gérer les accès et tu autorises. Et voilà. Ouais. On ne peut pas chatter et quizer à la fois sur mobile. Ouais, ça c'est assez relou. Ah, désolé. Ouais. J'avoue, on n'était pas au courant. Oui, est-ce que tu. Vladjo a une bonne remarque de faire un test. Ça affiche les pseudos qui répondent. Ouais, c'est clair. Pour voir qui répond. T'as une question à la con. Alors, j'ai pour pas voir de question si à la con pour voir si ça marche. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que. C'est pas grave. Attendez. Je vais voir si on peut après couper le. Si c'est très grave de perdre. Ça, ne dites jamais ça à votre gosse. C'est horrible de dire ça. Quand on joue, c'est pour gagner. Sinon, ça ne sert à rien. Point. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un système de points. Et l'idée, c'est que plus on répond vite, plus on a de points. Quand on répond bien, on gagne des points. Et quand on répond mal, on perd des points. Alors, attendez, je vais lancer ça. Et on va voir déjà qui le voit s'afficher. Ce sera déjà un bon moyen de savoir. Mais tu peux pas rajouter une question rapidement ? Une question rapidement. Ah ouais, je ouais, sais non. Pas, je sais pas comment il fonctionne ton plugin. Ça c'est. Ouais, 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 non, mais t'as raison. Rajouter une question à la con, genre Adam Villon est-il BG ? Oui, ah, ou okay, oui. Ouais, on va faire ça. Et voilà. Ça, c'est vraiment une bonne idée, ça. C'est la démocratie, en vote. Ouais, c'est ça, Udiac. Voilà, c'est accordé. Hop, 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 hop. Voilà, ça arrive, ça arrive, ça arrive, messieurs, dames. Vous avez le temps de... d'aller chercher le... la petite bière. La petite bière qui fait du bien. Quoique, ce soir, c'est plus qu'une bière, là, c'est champagne. Ce soir, c'est champagne. On fait la filiation, quand même. Ok. Alors, mes quiz, c'est fait. Merci. C'est compliqué, mon truc. Ah, c'est bon. J'ai tout louvé la voix. Alors, Benoît, je t'ai envoyé une impression d'écran sur Telegram. Tu verras, il y a une juste au-dessus de l'écran du stream, hein, tout simplement. Dessus, sur l'écran de stream, directement, tu as le quiz kit. C'est comme une superposition sur l'écran. Voilà. Ah, compliqué, alors, ceux qui messieurs, connaissent dames, pas est-ce que vous voyez les règles du jeu s'afficher ? Elles sont en anglais, ouais. Mais je vais vous les expliquer. Ok, super, vous voyez ça. Donc, il y a marqué qu'en gros, c'est un système de quiz à points, comme je vous ai dit. Donc, si vous donnez une bonne réponse, vous gagnez des points. Une mauvaise réponse, vous perdez des points. Plus vous allez vite, plus vous gagnez de points. Ne pas répondre à la question ne vous fait pas changer de. Ne touche pas vos points, excusez-moi. Et donc, le but c'est d'avoir le plus de points possible. Voilà. Ouais, Louis de Mise, bon courage. On pensera à toi. Il faudra que tu me dises. C'est ça, de ne pas avoir un écran de 32 pouces. Il faudrait que tu me dises aussi si tu galères avec la vitesse sur le téléphone portable. Parce que j'ai un mode pour gérer un peu la latence sur le téléphone portable, si besoin. Tu me diras ça à la fin du quiz, parce que là, c'est le mini quiz test d'une question pour vous préparer. Ok, donc si tout le monde voit ça, on va pouvoir y aller. Hop, c'est parti. Alors, première question. Adam est-il intelligent ? Bah écoute, non. Je sais pas. Moi, c'est bien. Oui. T'es un enculé. C'est la bonne réponse, non ?
Par contre, l'arrière-plan, non, mec. Ah merde. Non, pas sur Twitch. Ça, alors j'ai mis du propre. Hein. Ouais. Non, non, parce que là, ça... Okay. Là, ça va être ban. Voilà. J'ai hésité parce que je voulais mettre des nanas en bikini derrière moi, tu vois, en arrière-plan. Je l'ai, la photo, tu vois. Mais je me suis dit, non, on va se faire ban, c'est même pas la peine. Le puritanisme. Bon, excusez-moi, j'ai zappé mon quiz, j'ai été déconcentré. Donc, on va voir les réponses. Ah! On a 4 personnes qui ont mis oui quand même. Ah, il y a 2 personnes qui doutent. Il y a 2 qui doutent. Ouais, mais il y en a 3 qui ont mis non quand même. Hein. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on va pouvoir savoir qui a dit ça. Et ça, c'est beau ça. Vas-y, 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 balance, balance. Je veux avoir les noms. Ah, c'est Benoît qui est premier. Ah, Adam, visiblement, avait dit qu'il était intelligent. Pourquoi je suis pas négatif ? J'ai mis la bonne réponse. Alors. Bah, visiblement, elle n'a pas été prise en compte, Etomi. Si, si, je suis 7ème, je suis à moins 18. Ah, t'es à moins 18 ? Ouais. Bah, t'as dû mettre je sais pas alors. Non, j'ai dit non. Louis de Mise aussi, du coup, je pense. Ah, ouais. Et Yuki aussi, hein. Ah, c'est chaud là, hein. Non, mais c'est chaud. Je retire les noms, je retire les bon, noms. Heureusement, l'hélicoptère, c'est pas sur celui-là. Si l'un de vous gagne, le mug il risque déjà d'être rempli. Particulier. Oh mon dieu. Oui, oui, bah ouais, non, c'est bon là. Le test est fini, là on repart à zéro. C'est bon, fini les questions bizarres. Fini les étomides qui nous déconcentrent avec ses arrière-plans. Ça va bien se passer. Et sa caméra qui fait que. Louis Demis, ça va là sur le téléphone ? T'as eu le temps de répondre, ça allait ? Louis. Dis-nous tout. Bon, n'ayant pas de réponse de Louis, nous allons continuer. Ok, super. Alors. Nous allons donc pouvoir passer au vrai quiz. Donc c'est un quiz. Hop. C'est un quiz de culture générale libertarienne. Donc il faut savoir que c'est moi qui l'ai fait. Donc si vous avez un doute sur la réponse, voilà. Il y avoir de grosses erreurs. Vous dites bon, c'est il faut donner le point de vue de Jean-Sylvain. Pardon, de JS. Pop. Le G sans liberté. Alors, je suis désolé, il va falloir se retaper les indications. Et après, c'est parti. Voilà. Alors, première question. Attention. Donc, vous avez 20 secondes pour répondre. Selon Hoppe, que faut-il faire ? Faut-il créer 1001 Liechtenstein ? Faut-il créer 1001 influenceurs libertariens ? Faut-il créer 1001 crypto-monnaies ? Ou faut-il créer 1001 partis libertariens ? Que faut-il faire ? On rentre direct dans le vif du sujet. On parle de Hans-Hermann Hoppe. Ouais, il y a des questions techniques. Non, en plus... C'était bien entendu des cryptos. Crypto. Attention. Ah, mais non, c'était 1001 Liechtenstein. Non, mais non, Hoppe ne met pas en avant tout le crypto-anarchisme. Il est plutôt en mode à l'ancienne, où on va créer un anarchisme territorial. C'est pas qu'il est à l'ancienne. C'est pas ça, c'est qu'il ne croit pas en crypto comme monnaie viable. Tu es Adam, il est en désaccord avec lui. Ah ouais ? Adam, il pense qu'il est pour, oui, pour les cryptos. Oui et non. Oui, je suis pas pour les cryptos, je suis pour le Monero. Putain, il a presque le même pull que moi. Et... Ouais. T'as la même tête aussi. Aussi, ouais. Bon, je sais pas s'il a la même coupe de cheveux, mais
J'avoue qu'avec mon bonnet OB, je pense que là, on pourrait me confondre. Ok. Bon, personne n'a répondu milieu une crypto. Nous allons pouvoir passer à la question 2. C'est parti. Question 2. Qui a déclaré que l'État est, je cite, la grande fiction où tout le monde s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde ? Était-ce Friedrich Hayek, Ludwig von Mises, Frédéric Bastiat ou Milton Friedman ? La grande fiction où tout le monde s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde. Reconnaissez que la réplique est belle quand même. Hein. Ça marque les esprits. Hein. Alors. Ouais. Il y a 130 questions en tout. J'espère que vous avez prévu de vous coucher tard. Donc la réponse était Frédéric Bastiat. Ah, 8 bonnes réponses. Eh ben non, c'est pas Mises. C'est pas Mises, c'est Frédéric Bastiat. Vive la France. Cocorico. Très bien. Je vous propose qu'on regarde peut-être les scores toutes les 5 questions. Ouais, allez. Toutes les 5. Non, en fait, il y a quoi ? Je crois qu'il y a une vingtaine de questions. Attendez, je vais vous dire ça. Il y a 27 questions, pour être plus précis. Hein. Voilà. Sans rire. Alors oui, Ellie, c'est le cas. Plus voilà. Tu réponds vite et plus tu as des et points. Et plus tu te trompes vite, plus tu perds de points. C'est ça l'idée. Les points qui s'affichent en fait au milieu, tu vois, ça fait un compteur. Tu as les points qui déclinent. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a toujours une seule bonne réponse. Il n'y en a jamais deux, ni trois, ni quatre. Il y a toujours une seule bonne réponse. Voilà. Ni zéro. Ni zéro d'ailleurs. Effectivement. Allez, prochaine question. C'est parti. Concentrez-vous. Qu'est-ce que la monnaie selon Ludwig von Mises ? Est-ce que la monnaie, c'est le bien intermédiaire d'échange le plus communément utilisé ? Est-ce que ce sont les métaux précieux ? Est-ce que c'est tout bien qui a cours légal ? Ou est-ce que c'est tout bien qui s'échange ? J'espère que vous avez lu Ludwig von Mises dans le chat. Sinon, ça va barder. J'ai lu 3 citations sur Même Libertarien. J'espère que dans ta citation, il définissait la monnaie. Alors, on va voir ce que c'est la bonne réponse. Ben, c'est le bien intermédiaire d'échange le plus communément utilisé, bien sûr. Ah, il y a eu plus d'erreurs, hein. Par contre, ouais. JS, ouais. Quand tu lis les questions, elles sont pas dans l'ordre, en fait, qu'elles sont affichées. Ah, moi, je l'ai mis en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite. Elles s'affichent pas pareil chez vous, peut-être. Ah ouais, d'accord. Non. Parce que toi, t'as lu le bien intermédiaire, il est en dernier. Eh bah, écoutez, c'est pour vous donner du fil à retordre, hein, parce que les questions, elles sont faciles. Bon, en tout cas, pour l'instant. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Alors, il me semble de souvenir que le début du quiz est un petit peu technique sur l'économie, comme ça, puis après, c'est un peu plus, chill. Donc, il faut bien se concentrer au début, et après, ça va être un peu plus soft. Alors, question suivante. Hop, c'est parti. Question 4. Qu'est-ce qui ne crée pas de hausse généralisée des prix ? Qui ne crée pas de hausse généralisée des prix ? Est-ce l'avidité des capitalistes ? Est-ce une hausse de la monnaie en circulation ? Est-ce les États qui confinent leurs citoyens en réponse à un virus ? Ou est-ce une hausse de la population ? Ah, celle-là, elle était chaude. Celle-là, elle était chaudard. Là, vraiment, j'ai pas été gentil. Ben écoute, merci Guy. J'espère juste que je vous déconcentre pas, parce que sur les questions techniques, ça peut porter à confusion. Oh, on a une seule erreur. Putain, vous êtes bons. On a des vrais libertariens ici. Pourquoi voter une hausse de la population ? Alors, ouais, qu'est-ce qui ne crée pas une hausse de généralité des prix ? Une hausse généralisée des prix ? Ça, on avait eu un débat, je viens, sur est-ce que... Alors, je ne sais plus où, mais est-ce que les hausses démographiques ou les baisses, les influences sur les prix,
En gros, qu'il y aurait plus de demandes, donc ça baisse, ou plus de production. Bon, je ne sais pas pourquoi ça a été voté, mais les deux hypothèses existent. Après, ta hausse, elle sera sur de court terme, en fait. Si vraiment il y a une hausse de la population on fera un gros rapide bébé, et... bim, ça monte, après ça baisse, quoi. Alors, l'idée, c'est que... Ouais. L'idée, en fait, de ma question... Parce que les deux sont l'idée, valables, c'était de fait, raisonner toutes choses égales par ailleurs. Et donc, en fait, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire si le... s'il n'y a pas de hausse de la masse monétaire, si la masse monétaire ne change pas. Donc, si, par exemple, tout le monde dans l'économie se partage 10 euros, oui. Bah, plus tu fais d'enfants... plus tes biens ils vont te coûter cher parce qu'il va falloir se partager entre plusieurs personnes, entre plus de monde, une même quantité de monnaie. Donc ça va créer une hausse généralisée des prix, toutes choses égales par ailleurs. Ensuite, bah, bien évidemment, une hausse de la monnaie en circulation. Si on a 10 euros, qu'on se partage à 10 et que tout à coup il y a 1000 euros, bah, effectivement, on se doute bien que les prix vont augmenter. Et si les États confinent, et ben, toutes choses égales par ailleurs, ça va coûter plus cher. De se fournir, par exemple, mes tomates, je vais avoir plus de mal à les acheter parce qu'il n'y aura plus de temps pour les livrer. Donc, par exemple, il faudra que j'aille les chercher à la main, etc. Et donc, ça va me coûter plus que ce que faisait une économie libre-marché. Voilà, je ne sais pas si ça répond à vos interrogations, mais de toute façon, quasiment tout le monde avait juste. Et donc, nous allons pouvoir passer à la question 5. Et après cette question, nous allons voir où nous en sommes au niveau des scores. Next question. Question 5. Quel grand écrivain a été contemporain de Frédéric Bastiat? Était-ce Gustave Flaubert, Jean-Jacques Rousseau, Jean Racine ou Marcel Proust? Oh, elle est pas facile, celle-là. Ouais, celle-là, je... Ouais, elle est chiante. J'hésite entre deux, putain, merde. Bon, les points, faut aller vite. Vous faites pas déconcentrer par Etomite? Oh, et Etomite qui vous déconcentre, attention. Planté. L'enfoiré. Non, je suis pas sûr de moi là. Il y a Pépé Tony. Ah, je suis sûr, je me suis planté. Me déconcentre. Alors, vous voulez savoir la bonne réponse? C'est Proust ou Flaubert? Ah, c'est Flaubert. Ouais. Yes. Ah, bah c'est bon. Flaubert. Et personne n'a mis Proust. Parce qu'effectivement, Jean-Jacques Rousseau, c'est quand même bien avant. Pour info, Frédéric Bastiat, c'est 1850. Sa date de naissance. Voilà. Gustave Flaubert, pourquoi j'ai choisi Gustave Flaubert? En partie parce qu'il est vraiment contemporain, quasiment les mêmes dates de naissance et de mort. Et aussi parce que bah, Gustave Flaubert était connu pour avoir une vraie tendance libérale. Il avait vraiment un point de vue libéral pour le coup. Donc, quitte à lire des écrivains du 19e français. N'hésitez pas à lire du Flaubert, ça fait du bien. Flaubert, lecteur de Bastiat. Voilà. Alors, je savais pas que c'était à ce point-là, mais peut-être. Ouais, mais il a pas lu Hop. Langue de culture. Ouais, mais Hop a lu raté Bastiat, sa vie. Et ça se voit. Et il a dû lire Flaubert. Oui, c'est un homme de culture. voilà, je pense que vous... Vous tressaillissez d'impatience à savoir où vous êtes dans les scores. Attention les yeux. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Top 5 of 10. Ah là là. Normal. Alors pourquoi est-ce qu'il y a deux trucs, j'ai pas bien compris. Ah, parce que ils nous montrent le score pour la question, ouais. La dernière question là. Donc c'est Udia qui a répondu tout de suite. Putain, respect. Louis Mise aussi. Ils ont pas hésité. Et donc au score total, c'est Etomite qui est premier, 75 000. Putain, il nous déconcentre et tout, mais il est dans le truc quoi. Incroyable. Benoît toujours dans les premiers. Par contre, les chroniqueurs ne gagnent pas. Hein. C'est Louis juste une victoire morale. C'est juste pour le fun. C'est du lourd. Moi, je pensais ne pas jouer, donc j'ai pas répondu à l'autre question, à une des questions, je sais plus laquelle c'était. Puis au final, j'ai envie de jouer. Juste alors, avant, c'est faut bien dire de jouer pour gagner et tout. Moi, je joue pour être premier, vous humilier. Et voilà, c'est pas grave. Après, je vous offre un cadeau. Alors, je passe un message. Julien, fais attention. J'entends l'hélicoptère, il est loin. Mais il commence à arriver déjà.
Donc Julien, attention. Et maintenant, les hélicoptères, ils te larguent au Chili, du coup. Parce que maintenant, c'est les gauchistes là-bas, tu vois. Ah non, je me suis trompé. Non, non, Julien, t'es pas dernier. Non, non, excuse-moi, c'était sur la dernière question. Non, non, au score total, il faut c'est Nio qui doit faire attention. Nio, attention. Mais c'est serré, hein. C'est serré entre les deux derniers. Quand tu ne sais pas, ouais. Vaut mieux ne pas répondre. Bon, allez, question suivante. Je sens que vous avez hâte. Question 6. Un business cycle peut-il se former en l'absence de banque centrale, selon Mises? Oui ou non? C'est quoi? Elle est chaude, celle-là. C'est... Celle-là, elle est chaude. Tu nous as fait des zéros. Ouais, c'est des ensembles vides. C'est oui ou non? Non, mais... Bon, elle est chaude, elle est pas compliquée. Non, ça c'est un point technique de... d'économie, ça. Par contre, j'ai mis business cycle ouais. Parce que j'avoue, je connais pas vraiment la traduction en français. C'est, on dit juste un cycle économique. Ouais, cycle économique, quoi. Ouais, d'accord. Pour ça, c'est une différence que je connais pas. Mais... Non, non, mais Julien, excuse-moi, t'es pas dernier en fait. Hein. Non, 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 y a pas d'édico pour toi, ça va. Non, non, excuse-moi, j'avais confondu parce que tu sais, il me donne les deux scores, le score pour la question et le score total. Mais en score total, t'es bien. Bon, t'es... Correction d'Eli, non, on dit cycle des affaires. Je crois. Ben, c'est pas je crois en fait. Tu fais des études dedans, oui ou non? Bon. Hey, non, mais on va retourner réviser. Il est encore à l'école, il apprend. Oui, c'est encore un petit. Faut laisser le temps de grandir. Un bouquin de Marx pour le dernier. Tu crois vraiment qu'on va gâcher des sous pour acheter un bouquin de Marx? Non. Il y en a un, je sais qu'il en c'est a. C'est la version intégrale du Capital et de sa théorie sur la plus-value. Que donner à Léon Bellecour. Ouais. C'était posé. J'ai pris un carton et je me suis dit que ce serait rigolo. Ah ouais, ça c'est une punition comme du diac. J'ai bien aimé ouais. le contraste. Tu vois. Et bien écoutez, moi je dis un grand bravo hein, parce que moi je l'ai trouvé chaud cette question. Hein. Et là vous avez été 7 sur 8 à avoir trouvé. Bah non, c'est logique en fait. Donc oui, c'est l'ampleur du truc qui peut être aggravé par les banques centrales vu qu'ils retardent l'échéance de la chute du cycle en fait. Mais. Voilà, exactement. L'idée, c'est que à partir du moment où les banques se permettent de prêter plus que ce qu'elles ont dans leurs réserves, il y a un business cycle qui peut se mettre en route. Voilà. Et donc, il n'y a pas besoin d'une banque centrale pour faire ça. Il suffit juste que les banques elles se permettent de le faire. Mais de base, de toute façon, si on sait que Mises, il n'était pas forcément très chaud pour les banques centrales. Par déduction. Ouais. Ouais. Bah, moi, c'est surtout l'aspect comme si sans intervention de banque centrale, il y aurait pas eu de crise en fait. Parce qu'on sait que beaucoup de crises sont causées par les banques centrales, oui. Mais il y aurait quand même des cycles sans grosse crise s'il n'y avait pas de banque centrale. C'est juste là-dessus que j'ai un petit doute. Voilà, après là où il y a un grand débat effectivement à ce niveau-là, c'est est-ce que finalement un marché totalement libre des banques. Enfin, un marché totalement libre, hein, de façon générale, régulerait naturellement en fait ce problème. Et ça, c'est une question qui est toujours débattue. Mais il y aurait des crises quand même, et ouais, elles se résorberaient beaucoup plus vite. Voilà, si vous avez besoin de plus de détails pour qu'on discute de ça, n'hésitez pas à nous dire dans le chat, on reviendra dessus. Oui, parce que l'intérêt du quiz aussi, c'est qu'on puisse revenir aussi sur ces questions-là pour les aborder vite fait. C'est un quiz intelligent. Nous sommes entre intellectuels ici. Hop, 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 hop. Ah, mais j'avais pas vu, excusez-moi. C'est pour ça qu'il y a eu une explosion d'émoticônes tout à l'heure. C'était carrément un abonnement en fait, c'était pas un follow. Oh putain, j'avais pas oui, suivi. Oui, c'est un abonnement. C'est putain, ce que Vlad nous a dit. C'est un abonnement. C'est pour ça qu'on remercie 36 000 fois, en fait, je ne sais plus son pseudo. Arakaki. Je ne sais plus. Ah, mais merci. Non, vraiment, putain, je suis ému. Alors, c'est question bien. Suivante. Excusez-moi, je raconte ma life. Je sais qu'elle est passionnante, mais bon. Et donc, question suivante. Qu'est-ce que la loi de Bitur-Camembert? Est-ce le fait que l'État crée une richesse équivalente à celle volée
que l'État est neutre vis-à-vis de la richesse qu'il vole, que l'État détruit une richesse équivalente à celle volée, ou que le camembert serait meilleur s'il était produit par l'État. Je suis obligé de répondre ça. Ah, je vous avais prévenu, le début du quiz, il est technique. Hein. Donc là, vous avez des questions quand même assez techniques. Hein. Donc la loi de Bitur-Camembert, pour le coup, c'est un truc que tout le monde ne connaît pas. Alors, c'est pas la loi d'un soulard qui mange du fromage. Alors, la bonne réponse était... Alors, la loi de Bitur-Camembert, c'est le fait que l'État détruit une richesse équivalente à celle volée. L'idée de cette loi est la suivante. Par le jeu politique, il y a des prétendants au butin volé aux citoyens, à l'honnête citoyen. C'est-à-dire que l'État vole, et ce butin, il faut bien qu'il soit récupéré par des gens. Et l'idée, c'est que les gens de l'État, ils vont se battre pour ce butin, et ils vont se faire concurrence entre eux pour ce butin, au point de détruire, au point de se battre en fait et d'utiliser des richesses, des ressources, jusqu'à arriver à l'équivalent du butin en fait. En gros, l'analogie c'est que le profit, il a tendance à être nul dans chaque industrie parce que bah, justement les entrepreneurs se font concurrence entre eux pour la possibilité d'un profit et ils vont se faire concurrence jusqu'à ce qu'ils soient nuls en fait. Et là, c'est pareil, il y a concurrence pour le butin étatique, de sorte que les gens utilisent des ressources pour rien, en fait. Les gens se font concurrence et utilisent des ressources juste pour récupérer du vol. Et donc, c'est un gâchis, donc c'est une destruction de richesse qui se fait jusqu'à la valeur du butin total. Et c'est une loi qui a été créée par François Guillaumat, que je salue... que je salue, ça fait longtemps qu'on parle plus de lui, je sais pas ce qu'il devient, mais voilà, c'est un économiste français, et j'ai pas l'impression que dans le monde, dans la sphère américaine, on est pris au sérieux cette loi, mais je trouve que, honnêtement, c'est bien envoyé. J'espère que j'ai été clair dans mon explication. Vous la connaissiez, Etomi Tadon? Tu as été très clair, et on remercie Crazy Little Fox Crazy Little pour Fox, son abonnement Prime. Merci! Putain, énorme! Bravo, bravo, bravo. Et vous, dans le chat, vous connaissiez la loi de Bitur-Camembert? Parce que malheureusement, François Guillaume, il n'est pas très connu, alors... voilà, ça n'a pas trop percé. Non plus. Alors moi, tu vois, je ne connaissais pas du tout. Alors si vous voulez en savoir plus sur François Guillaume, je vous invite à écouter le podcast qui s'appelle Lumière 101. Je vous l'écris. C'est juste incroyable. C'est un podcast qu'ils ont tenu avec Georges Lannes entre 2007 et peut-être 2014, quelque chose comme ça. Et honnêtement, c'est incroyable. Donc voilà. La qualité audio est un peu dégueulasse, surtout pour les premiers épisodes, mais ça en vaut le détour. Et ben non, vous connaissez pas. Ben écoutez, je suis ravi de vous en avoir fait faire la connaissance. Nous allons pouvoir passer à la question suivante. Next. Alors, de quelle émission provient ce générique? Oh putain, merde. Il faut que je vous le fasse écouter. Voilà. J'espère que vous l'avez entendu. Ouais, non. Du coup, j'ai mis sur mon téléphone pour essayer de voir, mais... Pas le son. Du coup, j'aurais pas gagné beaucoup de points. Ni perdu. Ah non, Vlado, il me dit qu'il a pas le son. Ah, là, c'est bon. Tu t'es fail, je l'ai pas vu venir, ça. Putain, tout le monde a fail. Mais par contre, je vois que Bonneau, il sourit. Donc, je pense que, quand même, il y a eu le son pour ceux qui, pour certaines personnes. Benoît, tu me confirmes que. Donc, tu me donnes un indice sur ce que c'est, alors. Peu importe. Bah, tu relances la question, comme ça, je peux répondre. Non, mais je dois réfléchir. Malheureusement, je peux pas, en fait. À moins qu'on se les retape tout depuis le début, mais je pense qu'on n'a pas trop. Ah oui, son. Donc, c'est pas grave. Ah, Benoît m'a dit qu'il avait du son, donc quand même, il y a quelqu'un qui a entendu. Écoutez, je suis vraiment désolé. C'est la seule question où il y a du son, donc ce problème ne se reproduira pas. Je vous rassure.
Eh bien, c'était la musique du générique de Libre et Civilisé. J'espère que tu ne m'en voudras pas, Benoît, de l'avoir volé. Donc, pour info, Libre et Civilisé, c'est un podcast, pour rester dans le domaine des podcasts. C'est un podcast donc qui est tout récent, mais il y a quand même déjà beaucoup, un bon petit nombre d'épisodes. Vous avez de quoi vous mettre pas mal de choses sous les dents. Géré par Benoît, qui est dans le chat. Et c'est juste extraordinaire. Donc vraiment, allez-y quoi. Allez-y, les yeux fermés, les oreilles grandes ouvertes. C'est vraiment magique. Je vais vous mettre le lien dans le chat parce que... Ah bah super, merci. C'est fait. Bon. Parce que c'est incroyable, on aime bien en parler sur Radio Libertarien. Donc voilà, il y a de la bonne musique, il y a des bonnes explications, il y a une jolie voix. Une voix de Barry White, donc voilà. Oui, c'est l'homme à la voix divine. Voilà, il est connu. Exactement. Ce pseudonyme là aussi. La voix de la liberté aussi, on l'appelle parfois. Alors, next question. Question 9. Qu'est-ce que la praxeologie ? Par contre, est-ce que la praxeologie, oui, c'est la branche mathématique de l'économie, la branche psychologique de l'économie, la science de l'action humaine, ou alors juste un mot compliqué pour se la péter ? La praxeologie. On peut confondre avec la catalaxie. Oui, il n'y a pas à confondre avec la catalaxie, exactement. Bah, Julien, bonne nuit, ouais, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir été là. Alors, excusez-moi, je vais révéler cette réponse. Oh, l'excuse, j'ai misclick. Mais bien sûr, comme si on pouvait miscliquer. Arrête. Alors, c'est la science de l'action humaine, putain, mais vous êtes trop au taquet, vous avez quasiment tous trouvé. Putain, alors que c'est chaud aujourd'hui. Donc non, bah non, c'est pas la branche mathématique de l'économie, en fait, c'est, je dirais même, tout l'inverse. Et Tommy, tu saurais nous expliquer ce que c'est la différence avec la catalaxie ? Alors, la praxéologie, c'est la science donc, de l'action humaine en général, toute l'action humaine, et la catalaxie, c'est la science des échanges. Ouais, donc c'est une sous-partie de la praxéologie, en fait. Il y a Ellie, donc aka Legging Guy, qui nous dit qu'il a écouté mes podcasts. Effectivement, j'ai toute une série d'émissions qui s'appelle Voyage en Autriche sur YouTube, où justement je vous explique ce que c'est que la praxéologie. Et d'ailleurs, il y a Prax Girl, alors faut parler anglais, hein, mais qui fait des. C'est ouf ce qu'elle fait sur YouTube. Je sais pas si vous connaissez. Non. Sur praxéologie, donc il y a des leçons, mais j'en ai 60. Sur l'économie, et donc c'est du début à tout début, tout basique, c'est des vidéos de 8 minutes, elle est bonne en plus, et à la fin, enfin, c'est énorme, franchement, c'est super bien fait, donc si vous parlez anglais, et ben c'est vraiment énorme. Et elle est super bien faite. Moi, j'écoute ça en bagnole, c'est énorme. Alors, Nio, t'as peut-être essayé de mettre un lien dans le chat, je suis désolé, il n'y a que les modérateurs et Radio Libertarien qui peuvent mettre des liens dans le chat. Tu me l'envoies en MP, Nio. Super. Eh bien, merci pour ces explications, Etomit. Fantastique. Donc, nous allons passer à la question suivante. Ça va être la question 10. Et qui dit question 10, dit après, nous allons voir les scores. Attention, préparez-vous. Question 10. T'as vu ? Ah oui, question 10. Peut-on choisir un système économique à mi-chemin entre l'économie de marché et le socialisme, selon Mises ? Oui ou non ? J'ai décidé de faire que des mauvaises réponses maintenant. Putain, et Tomit. Comme ça, je vais redescendre mon score. Putain, et Tomit, non. L'hélico. Pense à l'hélico. Je vais voir si j'arrive à descendre assez pour avoir l'hélico. Oh non. Arrête. J'ai envie que tu restes. J'ai envie de te revoir. Alors, eh bien, écoutez. Non. Selon Mises, on ne peut pas. Ah, il y a eu 2 heures quand même. Il y a moi donc. Oh. Mais t'as le temps de changer d'avis, t'inquiète. Donc, je vais vous citer Mises pour vous donner l'explication. Je cite Mises dans L'Action humaine.
Les hommes doivent choisir entre l'économie de marché et le socialisme. Ils ne peuvent s'évader de ce dilemme et se dispenser de décider pour l'un des systèmes en adoptant une ligne de conduite médiane, de quelque nom qu'ils bâtissent ce tiers-chemin. Donc non. Alors, Udiac, en France, le corporatisme a quand même une histoire. Donc, moi, j'appellerais pas ça corporatisme, tu vois. En tout cas, en tant que Français, en France. Après, peut-être que si on est aux États-Unis, américains, on parle à des Américains, peut-être que là, ça leur parlera. Mais en sciences politiques et corporatisme, et surtout en histoire de la politique, corporatisme a quand même une signification, surtout dans l'Ancien Régime, tu vois, qui n'a pas forcément la même chose, quoi. Donc l'idée globale de Mises, hein, c'est que de toute façon l'État ne peut pas contrôler l'économie de marché. L'économie de marché a toujours le dernier mot. Et le seul moyen de faire taire l'économie de marché, c'est vraiment de la détruire à 100% et d'avoir un État totalement totalitaire. De même que tout État finit par mener au totalitarisme, qui lui-même finit par s'autodétruire. Voilà. En gros, c'est ça l'idée. Bon, bah très bien, on va pouvoir regarder les scores. Est-ce que ça a changé en 5 questions ? Bon, j'ai répondu à une hein, quand même pour le fun. Tout à fait, attention, Benoît, il est déjà à presque 122 000 points. Truc de malade. Oh, j'ai perdu combien de points sur celle-là ? Ah oui, j'ai perdu 15 000. Putain, Louis de Mise, il est à 110. Ah, c'est serré. Et Tomite, putain, et Tomite, t'es encore le proche des 100 000. Hein. Ouais, il faut que je baisse. Yuki et Vladjo. Eh, Vladjo, c'est bien. C'est bien, franchement. Tu as révisé Anne-Cat, ils en parlent. Putain, Louis Mise, il avait presque 20 000 points sur la dernière question, laisse tomber. Putain, on l'entend pas parce qu'il peut pas parler, mais putain, ça y va, quoi. Alright. Bon, bah écoutez, question suivante. Question 11. Après, il y a beaucoup de... Sur un libre marché, le salaire est égal en moyenne au nombre moyen d'heures travaillées, à la productivité marginale du travail, au salaire de subsistance, ou à la valeur de ce qu'on produit en moyenne. Ah, j'ai bien répondu, là. Je dois faire en empêcher. J'aurais dû dire au salaire de subsistance. Ouais, mais je suspecte le petit Pépé derrière toi, je suspecte PPJS de t'avoir soufflé la réponse dans ton oreille droite. La bonne réponse, c'est le salaire doit être... le salaire, c'est... Attends, si je me rappelle bien, c'est ce dont tu as besoin le travailleur pour renouveler sa force de travail, c'est ça ? Waouh. Non, ça c'est marxiste, c'est dégueulasse, faut surtout pas... Il ne faut pas le dire. Bah écoutez, c'est simple, hein. C'est la productivité marginale du travail. On sait tous que l'école autrichienne est née officiellement de Karl Menger. Et Karl Menger fait partie des trois personnes à avoir découvert, ou à plutôt avoir créé, entre guillemets, le concept de la marginalité en économie. Oh, il a les principes d'économie. Noël, à Noël, j'ai demandé ça comme cadeau. Incroyable. Putain, mais là, on est vraiment dans le top niveau, là. Là, c'est l'intellectualisme au sommet. Donc, oui. Et vous avez sur l'Institut Mises France, hop, vous avez des articles dessus sur Karl Menger, ah, justement, d'ailleurs. Hop. Génial, génial. Alors moi j'ai une petite citation de Mises quand même qui nous explique le concept, qui nous explique pourquoi le salaire est égal en moyenne à la productivité marginale du travail. C'est une citation de Mises, je vous demande de vous concentrer un instant pour la comprendre. Hop. Pareil, je cite dans l'action humaine. Comme tous les autres secteurs du marché, le marché du travail est matérialisé par les entrepreneurs désireux de faire des profits.
ça tout le monde le sait. Tout entrepreneur est aux aguets pour acheter toutes les pièces de travail dont il a besoin pour réaliser ses plans, et les acheter au moindre prix possible. Mais les salaires qu'il offre doivent être assez hauts pour enlever les travailleurs aux entrepreneurs concurrents. La limite supérieure de ses offres est fixée par le prix qu'il peut obtenir du supplément de biens vendables qu'il compte tirer de l'emploi du travailleur considéré. Alors je vais vous refaire cette phrase parce que c'est la plus compliquée, mais si vous comprenez ça, vous avez tout compris. La limite supérieure de ses offres est fixée par le prix qu'il peut obtenir du supplément de biens vendables qu'il compte tirer de l'emploi du travailleur considéré. La limite inférieure est posée par les offres des entrepreneurs concurrents qui sont eux-mêmes guidés par des considérations analogues. C'est ce que veulent dire les économistes quand ils déclarent que le niveau des taux de salaire pour chaque sorte de travail est déterminé par sa productivité marginale. Ok. Si vous avez besoin d'un peu plus de détails, on peut revenir sur cette notion. Voilà. À moins que Etomit ou Adam, vous vouliez expliquer ça en deux phrases. Ah non, mais moi, l'économie, je m'en branle, en fait. Non, mais en fait, c'est... Oui. C'est que... Quand t'embauches quelqu'un, au départ, en fait, il faut que son salaire soit compensé par ce qu'il produit. Donc, au bout d'un moment, quand tu arrives à la fin de ta productivité, que tu vas avoir quelqu'un, mais il n'y aura peut-être pas de demande, il n'y aura pas, ton organisation ne sera pas efficiente, bah, le mec va te coûter plus cher que ce qu'il te rapporte. Donc, en fait, c'est à partir de ce point de bascule-là que ça va changer. Enfin, je ne sais pas trop comment expliquer ça mieux, mais... Oui, et puis après, l'idée, globalement, c'est qu'il y a une concurrence entre les employeurs pour employer quelqu'un, qui fait que si tu payes un peu trop que finalement le mec il te rapporte, que le dernier gars il te rapporte, tu perds des sous quoi par rapport aux concurrents. Une boîte de taxi, tu vas prendre un mec que quand t'auras une bagnole à lui fournir par exemple, comme ça, et pour justifier la bagnole il faut qu'il y ait un nombre de clients suffisant quoi. Donc c'est que si le mec peut justifier l'investissement que tu vas le prendre. Ouais. Et d'ailleurs moi juste sur Menger et son bouquin, ce qui est marrant, moi, c'est qu'il l'a écrit en 1871, alors que Marx écrit Le Capital, le premier tome, donc le seul qu'il a terminé, c'est en 1867. Et il n'a jamais terminé les autres. Donc en fait, il a commencé à écrire, et quand il a sorti son bouquin, il était content. Et après, il y a eu le marginalisme qui est arrivé, en fait, et qui a détruit sa théorie de la valeur. Donc est-ce qu'il a réussi à surmonter ça pour finir ses autres bouquins? C'est une théorie qui se tient, parce qu'il est mort en 1883, peut-être. Dans les années 1880, et donc il avait encore 10 ans pour pondre un truc en disant vous dites que de la merde, et il l'a jamais fait. Enfin, moi, j'ai pas trouvé d'écrit marxiste qui réussisse efficacement à en fait réfuter le marginalisme, quoi. Donc, c'est comme pour le calcul économique de Mises, la seule personne qui allait contre Mises, c'est Schumpeter. Ouais. Mais les marxistes, eux, ont jamais réussi à surmonter le dilemme. Donc, ça, c'est intéressant. Je sais pas s'il l'a lu, s'il aurait pu sortir un truc, mais en tout cas, il l'a pas fait. Et il a vécu suffisamment de temps après pour l'avoir lu, je pense. Voilà, c'est justement un truc. Ouais, et puis après, faut pas se laisser impressionner par le mot marginal, etc. C'est-à-dire, ça s'explique comme on l'a expliqué, en gros, en quelques phrases. Hein. C'est quelque chose de logique, en fait. Hein. Ça n'a rien de mathématique, mais alors rien du tout. Non, tiens, j'ai pas accès au chat. Juste utiliser des mots très compliqués pour expliquer un truc très simple. La concurrence entre les employeurs pour les gens. Et t'as intérêt à le payer à peu près ce qui va te rapporter en plus de l'embaucher, quoi. En plus par rapport à quelqu'un d'autre. Puis c'est tout, quoi. Puis il y a une concurrence après qui fait qu'on en arrive à peu près à ce niveau-là. Je vais mettre dans notre chat à nous, parce que moi j'ai pas accès, vu que je suis sur mobile. Il y a une conférence de Gilles Campagnolo, justement celui qui traduit Menger, sur l'histoire de la pensée économique. Et la conférence, c'est Karl Menger et la révolution marginaliste. Donc, ça fait 2h25. Et moi j'avais kiffé. Donc je vais vous la mettrez dans le chat. Où il explique bien, c'est là que j'ai bien compris le marginalisme. Avec un petit graphique qui va bien. Attends, Marx il a dit je ne suis pas marxiste. C'est ça qu'il est en train de nous dire, Yac? Oui, c'est vrai. Quand il a, en fait, quand il a. Même Rand avait dit
Elle a inventé le mot objectiviste parce qu'elle en avait marre que les gens se disent rendiens. Et elle a dit, je comprends Marx quand il a dit, je ne suis pas marxiste parce qu'en fait, ta pensée, elle t'échappe et il y a plein de gens qui se réclament de toi alors que ce n'est pas forcément ça. Et donc voilà, c'est la seule fois où elle a dit, voilà, je comprends Marx, là-dessus, je suis comme lui. C'est marrant. Et faut dire que ça fait très chic de dire, ah, Marx avait raison sur ci, Marx avait raison sur ça. Bref. Allez, question suivante, parce que là, le pauvre Adam, là, je sens que il déprime, là, il y a trop d'économies, là. Ah non, 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 Alors, du qui est tout, du l'auteur tout. du livre Droit, législation, liberté? Merde, Était-ce putain, Karl je suis planté Menger? en plus. Était-ce Mises? Était-ce Hayek? Était-ce Murray Rothbard? J'ai mis ce clic là, Il a mis ce clic. C'est ça, tu voulais aller trop vite. T'as été gourmand, putain. tu voulais des points, tu voulais du pointos. Je vous rappelle que même s'il y a le quiz, vous pouvez utiliser vos Leapcoins hein, que vous êtes en train d'accumuler, bande de capitalistes avides. Putain, c'était Friedrich Hayek. Ah, Ouais. attention, il nous a donné la réponse. Ouais, c'est bon, c'était bon. J'ai mis Friedrich Rothbard, Hayek. moi, comme un con. Oh là 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 là, quelle bonne réponse. Et ouais, on est presque sur du 50-50 là. Mon Dieu. Putain, Hayek. Hayek serait-il périmé? Ouais, tu vois, j'ai pas répondu, mais j'aurais hésité entre Bah Menger et Hayek. c'est vrai que pour toi, donc, Donc je les ai pas lus, qui est un vraiment. À OP1 part Hayek. convaincu, sachant que OP est très critique vis-à-vis de Hayek, je comprends. Friedrich, oui, je Oh, sais. il l'a, il l'a, il l'a. Que j'ai lu attentivement. Alors, pour la petite histoire, je suis en train de lire en ce moment. Et c'est juste excellent, voilà, de ce que j'ai lu. Ah, il l'a. Ah, je l'ai aussi, hein. En PDF. Ah non, il l'a dans sa bibliothèque. Oh, on voit le Ah, beau c'est beau. pull Repossession. Moi, c'est l'action humaine de Mises que j'ai pas trouvé en français en vrai, parce que Ouais, c'est en abrégé. français, il a Du coup, je l'ai imprimé. imprimé. Et genre, ça fait vraiment ça en feuille, quoi. 60 balles, hein. Ça m'a coûté 60 balles. Comme ça, agrafé, paragraphe par paragraphe. Moi, je l'ai fait importer du Mises Institute américain. Ça m'a Ouais. coûté à peu En près anglais, 60 du euros, coup. je pense. En anglais, pour le coup, Ah, moi, oui, en français, du coup. C'est la traduction Institut Copé. ouais. Bah, à chaque fois que je donne une citation et tout, c'est la version de l'Institut Copé. Ah, Vioki a demandé une citation de Keynes et Tomit. S'il te Je plaît. remets dessus, parce que j'essaie d'en trouver un peu plus. Alors, Bon. vous savez quelle est la dernière phrase qu'a prononcée Keynes? Ah, parfait. Seulement j'avais bu plus de champagne. Voilà. Parce qu'il vivait avec plein d'artistes, machin. Lui, il jouait en bourse. Il a essayé de créer une technique pour prédire le cours de la bourse. Il a tout perdu. Du coup, après, il s'est mis à faire au pif et il est devenu riche. Voilà. D'accord. Putain, une citation et une anecdote. Là, franchement, Vuki, je pense que ça valait les 200 Leapcoins. C'est cerné, c'est Alors, cerné. next. Question 13. Question 13. Dans quel livre découvre-t-on que l'économie pourrait parfaitement tourner avec de petites trombones comme monnaie? Est-ce dans L'économie en une leçon, dans Moi crayon, dans L'école autrichienne pour les nuls ou dans Pulp libéralisme? Putain, merde. Alors là, je parle. C'est... Oh! Attends, je réponds juste pour savoir si j'ai vu. Ouais, je Attends. tente ton truc au pif. Alors moi j'avoue que ça m'avait marqué. J'avais trouvé ça génial, cet exemple de... Alors c'était une petite série d'exemples qui revenait au bout de deux chapitres, ça revenait, et à chaque fois, il rajoutait des couches, et on se rendait compte que c'était toute une économie. Au départ, ça part d'une petite île déserte où il y avait en gros un bateau qui s'était échoué et donc il y avait un pauvre gars qui se retrouvait sur l'île déserte. Après, il se rend compte qu'il y a des gens et un des seuls trucs qu'il avait récupéré de son bateau, c'était une boîte de trombone. Et donc au final, les gens après, ils s'étaient dit, ah, c'est super, on peut s'échanger comme monnaie les trombones. Et donc il y avait toute une économie qui fonctionnait juste avec des petits trombones. Et voilà, c'était pour montrer que n'importe quel bien en fait peut fonctionner. En tant que monnaie, à partir du moment où il est accepté facilement par tout le monde comme moyen d'échange. Donc j'avais trouvé ça génial et moi ça m'a marqué. Est-ce que ça a marqué les gens du chat aussi? Alors donc la réponse c'est Pulp libéralisme.
Ah, voilà. C'était bien ce qui me semblait. Ah ouais, Adam, je sais que tu l'as lu. Voilà, Adam qui nous fait découvrir toute sa bibliothèque. Ah, la Gingaï, toi tu lis trop les bouquins, qu'il y a à la fac et dans les écoles. Il ne propose pas le libéralisme, alors que ça, c'est la vie. Il est très stylé en plus, il y a des illustrations pulp, comme son nom l'indique, qui sont super cool. J'adore ce bouquin, même si bon, voilà, l'auteur n'est pas forcément libertarien, pas du tout. Mais ça a une très bonne approche libéralisme. Franchement, enfin, j'ai commencé par ce livre, hein, en vrai. Hein, donc... Non, franchement, pour débuter dans le libéralisme, alors je sais qu'ici, on n'a que des experts, là, mais si vous regardez la vidéo après coup, quoi, franchement, pour débuter dans le libéralisme, peuple libéralisme, au début, j'entendais les gens sur libéraux.org qui disaient « Waouh, ouais, putain, c'est énorme !» Et franchement, j'y croyais pas, je me disais « Waouh, c'est bon, ils racontent n'importe quoi, ça a l'air nul, c'est quoi ces dessins, c'est une BD, quoi, c'est pas sérieux. » Mais en fait, c'est juste incroyable. Non, c'est vraiment incroyable. Ah, Nio a lâché des Leapcoins. Nio a lâché des Leapcoins. Je crois que Adam a compris. Eh ben oui, j'ai compris. Donc je suis alors, obligé. Qu'est-ce qui va se passer là, Adam? Tu peux nous expliquer? Donc là, je lis un extrait du monologue de John Galt. C'est interminable. Alors, Nio a payé. Nio a payé 500 Leapcoins pour ça. 500 Leapcoins, c'est quand même beaucoup. Hein. Franchement, il avait là les sous, Nio. Je commence. L'idée de sacrifice ne s'applique qu'à ceux qui n'ont rien à sacrifier, ni valeur, ni critères de valeur, ni discernement, à ceux qui n'ont pour seul désir que des caprices, qui leur viennent sans raison et s'en vont aussi vite qu'ils sont venus. Mais pour un homme doté d'une certaine hauteur de vue, dont les désirs sont issus de valeurs rationnelles, se sacrifier, c'est renoncer au vrai pour le faux, au bien pour le mal. Le credo du sacrifice de soi découle d'une morale destinée aux êtres dénués de morale, une morale qui étale sa faillite au grand jour, qui admet que les hommes ne peuvent rien en tirer de personnel, ni vertu, ni valeur, et que leur âme n'est qu'un bourbier qu'ils doivent apprendre à sacrifier. De son propre aveu, cette morale ne peut pas aider les hommes à être bons, elle ne peut que les soumettre à un châtiment permanent. Waouh. Voilà, on va s'arrêter là, sinon ça va faire trop long après. Donc Nio qui a payé pour voir. Donc le fameux monologue de John Galt dans la grève d'Ayn Rand. Voilà, que vous verrez très mal à l'écran sur cette édition-là. Je vous invite à acheter l'autre édition. Parce que le titre, franchement, il se voit pas, quoi. Il faut vraiment le mettre à la lumière. Bon. Mais c'est ma petite... Écoute, merci Adam. Putain, on est vraiment plongé dans la culture libertarienne. Là. On est vraiment à 30 ou 50 mètres sous l'eau, dans le bain, quoi. D'aucuns diraient que Rand n'est pas libertarienne. Et c'est juste que voilà, elle s'entendait pas avec l'autre et bon ben voilà, c'est tout. Du coup, elle voulait pas se dire libertarienne, mais en vrai, elle l'est. Même si voilà, elle reste minarchiste, mais elle l'est. Il y a aussi le jugement moral qui fait que pour elle, les autres sont des grosses merdes. Alors que chez les libertariens, c'est ah mais s'il y a une utopie communiste qui veut se faire à côté, c'est pas grave. Oui, mais ça, oui, c'est oui. Des coqs. Il y en a beaucoup. Voilà. Par contre, si tu es un minimum centré sur toi-même, en fait, bon bah. Voilà. Oui, mais elle le disait elle-même qu'elle n'est pas libertarienne, mais parce que justement, elle était en froid avec Rothbard, oui, comme tu dis. C'est surtout ça, en fait. Donc, et puis, elle restait quand même minarchiste. Donc, ouais. Après, moi, je. Non, elle n'est pas anarchap, hein, Ayn Rand. Hein. Elle n'est pas du tout anarchap. Hein. Je. Elle pense quand même qu'il y a besoin d'un État pour protéger au niveau de la défense. Oui, puis au niveau national surtout, contre les ingérences étrangères. Donc, elle reste quand même minarchiste, Ayn Rand. Elle reste sensée. Lequel est le mieux, la grève ou la révolte d'Atlas? Moi, j'aime bien les deux. La révolte d'Atlas est plus en rapport avec le titre original.
Par contre, la grève, en fait, j'aime bien. J'aime bien la grève parce qu'il y a des gauchistes qui peuvent se faire avoir à le lire, tu vois. Grave. Je trouve ça génial. Je trouve que c'est un petit contre-pied sympathique. Et vous savez pourquoi de l'appeler la grève? Enfin, parce que la grève, en fait, c'était aussi à la base. C'est... L'idée lui est venue avec grand ce mot. Parce qu'apparemment, elle recevait beaucoup de lettres pour la source vive. Et beaucoup de gens disaient, oui, ce passage-là, vous voulez dire quoi? Et ça, vous voulez dire quoi? Et ça, vous voulez dire quoi? Et moi, elle s'est énervée, elle a fait, putain, mais ils peuvent pas penser par eux-mêmes, en fait. Si on faisait la grève, ils seraient bien dans la merde. Et elle s'est dit, putain, c'est bordel, vrai. C'est une bonne idée, ça. Et du coup, elle l'a fait. Cette femme, malgré sa laideur, était géniale. Elle était moche, hein, putain. Ah non, quand elle était jeune, elle était jolie, quand même. Ah ok, il y avait du trollage, je pense pas. On va passer à la question suivante, c'est très bien. Sinon, je peux ressourcer mon fond et remettre une photo de ce qui est beau. Mais... Pourquoi pas. Question 14. Trouver l'intrus. Bob Murphy, Lou Rockwell, Jeff Deist, Paul Krugman. Je vais voter pour celui que je connais pas. À mon avis, tu auras la bonne réponse. J'ai pas répondu. Ah, je sais pas, Nio. Je n'ai pas été sentir, donc je ne pourrais pas te dire. Je l'ai surtout lu. Alors ouais, là, j'avoue, effectivement, on est vraiment dans le monde libertarien américain. Donc, bien évidemment, l'intrus, c'était Paul Krugman. Ah, voilà. C'est qui? C'est le seul que je vois pas que je connaissais, moi, en fait. Ah ouais? T'es sérieux? C'est bien, vous vous complétez bien. Non, mais t'es sérieux, Tommy? Tu connais pas, ne serait-ce que Jeff Deist? Alors moi, j'avoue que des trois, je pense que Jeff même Deist, du Rockwell. C'est moins cool, à mon avis, des trois. Rockwell, oui, le nom, ça me dit, mais... Jeff Deist, maintenant, il commence à être très, très connu. Hein. Moi, c'est par l'économie que je suis devenu ce que je suis. D'accord. Oui, par la philosophie, parce que tu vois, on est quand même un peu au-dessus, quoi. Au-dessus des considérations matérielles. Quoi. Donc, Paul Krugman, prix Nobel d'économie, probablement le keynésien, ou en tout cas dit keynésien, le plus célèbre actuellement. Donc, qui publie dans le New York Times régulièrement des articles, voilà, enfin, une figure, assez connue quand même. Même des gens lambda en fait. Hein. Au niveau des économistes les plus connus au monde, il y a quand même Paul Krugman. Hein. N'importe qui passe à la fac, on entend parler à fond la caisse. Je pense que la Ginga, il devait être à fond dedans. Et pour info, les trois autres, Laura Quell, Bob Murphy et Jeff Dice, c'est essentiellement des économistes libertariens, donc du Mises Institute américain. Voilà. Enfin, Lou Rockwell, ouais, maintenant, il a plus dérivé sur la philosophie. Il parle pas trop d'économie maintenant. Hein. C'est vrai, c'est juste. Il partage beaucoup du hop sur son blog et du bloc. Il fait un peu la liaison entre les deux, en fait, Rockwell. Il fait la liaison entre hop et bloc. Ouais. Voilà, et je vous invite à lire justement sur le blog de Rockwell l'évictionnisme et le départurisme, mais il y aura encore mieux, ça sera directement sur Repossession, traduit par nos soins. Coming soon. Non, mais je continue à faire ma pub, hein, faut pas déconner. Alors on arrive à la question 15, et après la question 15, on va regarder les scores. Question 15. Que signifie Ceteris Paribus? Est-ce que ça signifie en empruntant la voie de bus? Est-ce que ça signifie par exemple? Est-ce que ça veut dire quoi qu'il en coûte? Ou est-ce que ça veut dire toute chose égale par ailleurs? Ceteris paribus. J'invite tout le monde à sortir cette expression le plus possible, parce que vraiment ça fait trop classe, quoi. J'ai mal répondu en plus. Et la bonne réponse était toute chose égale par ailleurs. Oh. Et comme j'ai planté, j'ai mal cliqué. Voilà, j'ai répondu parce que c'est du latin, ça la foutrait mal que je réponde. J'ai pas fait latin. Moi. Ah, Adam, grand latiniste. Surtout grand helléniste. J'ai plus fait du grec que du latin. Ok. Udiaque, bien sûr, grand intellectuel. Mais...
est un latinophone? Nulle la question. Ok, les scores. Où est-ce qu'on en est? Oh, Louis Demise, passé premier. Chapeau, Louis. Putain, respect. 174. Bravo. En plus, il a pris une bonne distance, là, Benoît. Benoît, il était un peu lent là pour répondre. Oh, Vyuki qui arrive dans le top 3. Et Tomit qui n'a quasiment pas bougé. Il stagne à 76. Là. Par contre, attention, le troisième, il a rien. Hein. Donc, ouais. Là, Vyuki, il faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Ah, on a un nouveau contestant. Alors, cher contestant numéro 14, si tu es encore là, tu peux cliquer sur la petite boîte à droite de ton écran si tu es sur un ordi. Et il faut que tu mettes, une fois que tu as cliqué sur cette petite boîte, accorder l'accès. Accorder l'accès ou identifier l'identité. Voilà, comme ça tu verras ton nom apparaître sur les scores plutôt que contestant avec un numéro. Voilà, n'hésite pas à nous faire un petit coucou dans le chat, ça fait plaisir. Nous allons passer à la question 16. Hop. Question 16. Trouver l'intrus. Ce pays est foutu. Je vous l'avais bien dit. Forcément, ça va bien se passer. La République du Bisounoursland. Qu'est-ce que... Oh putain, il y a Lengue qui lâche des indices. Oh là là, il lâche des indices. Oui, non, mais je vois l'indice, hein, mais je comprends pas l'intrus en fait. Ah, c'est que tu connais pas assez bien H16. La réponse c'était. Bah, je lis pas tout le temps. Hein. Oh, il y a beaucoup d'erreurs. Bah, elle était chaude celle-là. Elle était chaude cette question. Je suis surpris de mon score, alors que je connais rien en économie. Bah, le libertarianisme, effectivement, c'est... Il y a une grosse base économique, mais pas seulement. Ouais, mais la base économique, elle est basée sur de la philosophie et de l'éthique. Donc au final, on peut vite comprendre en fait, le cheminement économique de l'école autrichienne. Parce que moi, j'ai fait aucune économie, hein, j'ai rien fait du tout. Hein. C'est complètement l'inverse. Hein. C'est par l'économie, ah ouais, et après tu comprends, et puis tu reconstruis le système pour que ça marche. Il faut un système politique. Non. Si. Le libéralisme est d'abord une éthique philosophique avant d'être une économie. Non, je suis pas d'accord. Ouais, moi non plus. Ah, oui, il dit ça parce qu'il comprend pas et tout. Ouais, c'est ça. C'est ta base, Adam. Oui. T'as raison. Donc oui, pour expliquer quand même la question, donc l'idée c'était que c'était que des expressions de H16 étant probablement le libertarien, je pense anarcho-capitaliste, hein, le plus célèbre en France. Bon, en tout cas un des plus célèbres, parce que en tout cas probablement l'écrivain le plus talentueux qui parle d'actualité libertarien. Voilà. C'est un bon moyen de décrire le personnage. Je pense qu'il se répète un peu trop, c'est pour ça que je lis pas trop, tu vois. Donc, par moments, c'est marrant. En fait, je le prends comme un humoriste, tu vois, comme un pamphlétaire du libéralisme. Mais par contre, il est pas ANCAP, hein, du tout. Hein. Ah, il est pas ANCAP, tu dirais ? Ah, d'accord. Donc voilà, donc il a toujours une expression à la fin de ses articles, souvent il dit ce pays foutu, forcément ça va bien se passer, et la République du Bisounoursland, c'est une expression qu'il a inventée aussi. Voilà! Allez, question suivante. Sinon, je sais pas à quelle heure vous allez vous coucher. En quelle année a débuté la Ron Paul Revolution? Est-ce que ça a débuté en 2000, en 2004, en 2008? Ou en 2012? Est-ce que vous étiez né? Moi, j'avoue que j'avais un âge où je parlais, je comprenais pas super bien l'anglais à l'époque. Et je suis passé un peu à côté. Bah, mec, t'avais quel âge? Ah non, j'étais vieux, hein, mais. J'étais déjà à cette époque. C'est ça. Alors, bah, c'était 2008. C'était lors de la candidature à la présidentielle de 2008 aux États-Unis.
Pas trop jeune, non. 18 ans, ouais, non, c'est trop jeune, t'es un petit con. Alors j'étais en L1 à l'époque. Ouais, t'es un petit con. J'étais en seconde à l'époque. Ouais, j'avoue, moi j'étais pas libertarien à l'époque. Non plus. J'étais en première STG. J'avoue tout. Bah écoutez, chapeau à ceux qui ont trouvé, parce que c'était pas évident aussi, hein. Franchement, vu que ça commence à dater un peu. Donc voilà, la Rand Paul Revolution, pour vous dire en deux mots, hein, c'était la première fois que Rand Paul s'est présenté comme candidat à la présidentielle. Et il candidatait donc au Parti Républicain. Et donc ça a fait beaucoup de bruit. Et ils appelaient ça la Révolution parce qu'il avait écrit un bouquin qui s'appelait La Révolution aussi, mais c'est vrai que dans le milieu libertarien américain, ça a été une petite révolution, dans le sens où ça a vraiment fait connaître au grand public américain, ça a vraiment fait passer le message libertarien. Attends, et mec, guy, 98, on va avoir du mal à... Je vais avoir du mal quand même, hein, parce que c'est comme si je parlais à mon petit frère, tu vois. Ça fait bizarre. Adam, le grand frère. Ouais, ça nous rajeunit pas tout ça. Hein. Et ça rajeunit certains par contre. Alors, question 18. Attention. En quelle année se sont déroulés les accords de Bretton Woods ? Est-ce que c'était en 33, en 44, en 69 ou en 71? 69, bien sûr. Toujours 69. Toujours le monde a basculé en 69. Mais est-ce que c'était du fait des accords de Bretton Woods? Oh, Vuki de Bill. Ah, c'est beau. La jeunesse, l'avenir. Bon, après, tout est relatif. Ah, Nio, qui sait en quel mois ça s'est passé? Alors, mais il n'y a pas de bonus quand on a le mois, c'est dommage. Alors, bah, c'était en 44. Oh là là, il y en a eu 5 qui sont tombés dans le panneau. Oh là là, je suis trop fier de moi, il y avait un piège. Et ça fait des points négatifs pour 5 personnes, là, attention. Donc ouais, en 71, c'était bien évidemment le... C'était la fameuse action de quel président ? De Reagan, qui a annulé complètement la convertibilité or du dollar pour tout le monde. Alors que Bretton Woods, en juillet 1944, était un accord qui a uniquement, entre guillemets, empêché, interdit la convertibilité de l'or en dollar pour tout le monde, sauf les banques centrales. Donc, on peut dire qu'en 1944, avec Bretton Woods, l'étalon or a été quasiment détruit à 100%, mais pas totalement. Mais il a été finalement achevé. Ils l'ont mis à terre et enterré en 1971 avec Reagan. Voilà. Un non. Commentaire, Adam. Dean Nixon. Ah oui, Nixon, oui. Oui, excusez-moi. Je sais pas d'où est sorti Reagan. Merci Adam. Tu aimes bien Reagan, mais c'est Nixon. Faut bien lire la question. Putain, je suis désolé si j'ai mal lu la question. Ou alors, c'est juste qu'il faut bien le lire soi-même. Oh, Benoît qui a lâché 300 Libcoins. Mais c'est quoi, j'ai fait chaud là. Ça fait deux fois que ça arrive là. C'est quoi, Adam? Tu dois. Ah, tu dois jouer de la guitare. Ah oui, c'est toi qui m'as dit de mettre ce récompense. Attends. Moi je l'ai mise. Hein. Bon, attendez, il faut que je joue Another Break in the Wall. Alors bah je vais jouer pour Benoît, mais aussi pour. Qu'est-ce que c'est interdit d'ailleurs dans tous les bons toutes les bonnes boutiques de musique, mais bon, comme plein d'autres chansons qu'on fait trop. Ok. Attendez, il faut juste que je sorte la guitare. Ah non, mais le live il devient n'importe quoi, les gens, hein, je vous ai prévenu. Hein. Ah
Ok. Donc là, j'espère que vous allez m'entendre. Désolé pour les bruits de micro. Voilà, là, comme ça, ça devrait être bien. Hello. Ok, alors je suis désolé, je suis pas un grand chanteur, hein. Mais je déteste l'éducation publique. Je la hais, c'est notre pire ennemi. C'est probablement l'arme la plus puissante de l'État. Alors je me dois de chanter cette chanson. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teachers leave those kids alone. Hey, teachers! Leave those kids alone. All along, this is just another brick in the wall. All along, this is just another brick in the wall. Voilà. J'espère que vous avez clippé, les gars. Vous clippez tout de suite. Il faut clipper ça. Maintenant. Bon, je remets le micro présentateur, j'espère que ça vous a plu. JS a fait le show. Tu vois, JS, quand je te dis qu'il faut qu'on se fasse un truc en zik. Ah, mais grave. Et surtout qu'on serait pas que deux, hein, y a Ben. Hein. Ah oui, y a Ben aussi. Mais grave. Comme quoi, il y a des créatifs chez les libertariens. Il n'y a pas que des putains de masters en éco-droit ou je sais pas quoi. Voilà. Oh. Putain, je serais Ellie, je me sentirais un peu visé. Mais bon. Il a l'air blasé, d'ailleurs. Non, mais on t'aime bien quand même, Ellie, t'inquiète pas. Bon, sur cette petite parenthèse, nous allons continuer le quiz. On t'entend mal. Change de micro. Attends, je vérifie mes paramètres. On t'entend pas. On t'entend pas du tout. Sur le chat, vous m'entendez ou pas? Moins bien. Enfin, on t'entend, mais on t'entend très loin. T'es avec l'autre micro, en fait, je pense. C'est bizarre. Là, t'es encore sur l'autre micro. En stream, c'est bon, mais nous, sur Skype, on t'a avec l'autre micro. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Attends, je vais essayer de voir sur Skype ce que je peux faire. Il n'y en a pas pour longtemps. Ah, ouais. Attends. C'est bizarre quand même ce que je faisais pas tout à l'heure. Là vous m'entendez bon. Mieux, je pense. Hein. Ok, ouais, c'est parti. Bon. Là, on t'entend avec le premier. Bon, excusez-moi pour ces longueurs. Next question. Question numéro 19. En quelle année est sortie La Richesse des Nations d'Adam Smith? En 1751, en 1789, en 1776 ou en 1801? Sachant d'ailleurs que le titre officiel, c'est pas La Richesse des Nations, hein, c'est une recherche. Ouais, c'est ça. Recherche sur la sur l'origine, et je sais pas quoi. De... La Richesse des Nations. Ouais, voilà, c'est un titre un peu compliqué à rallonge, comme il savait le faire à l'époque. Alors, votre connaissance générale, où est-ce qu'on en est? C'était 1776. Ah, vous êtes nombreux quand même à retrouver. Recherche sur les causes et la nature des slips kangourous. Tu vois, j'aurais dit 51, tu vois. C'était plus vieux que ça. Non, mais c'est facile à retenir, 1776, quoi. C'est une sacrée date, quoi. C'est la guerre de l'indépendance américaine aussi, je crois. Bah ouais. Enfin non, pas la guerre. Ah, mais je pensais qu'il l'avait fait avant, tu vois. Bien ouais, avant. Parce que c'est, je me souviens, c'est le discours de Reagan, justement, je crois. Où il dit que la même année, il y a eu la Russie des Nations et l'indépendance américaine. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, exactement.
Donc voilà, une date à ne pas oublier. Je vous ai à l'œil. Et bien on va pouvoir passer à la question 20 et après on va regarder les scores. On a bientôt fini le quiz. Question 20. Lequel de ces livres n'est pas de Ayn Rand ? Est-ce La Grève ? Est-ce La Vertu d'Égoïsme ? Est-ce La Source Vive ? Est-ce Les Origines du Totalitarisme ? Ouais, trop facile, je réponds même pas. Non, quand c'est trop facile, tu réponds en moins d'une seconde et tu gagnes là les points. C'est comme ça que tu fais. C'est juste un conseil. Bon, en tout cas, on vous a donné une partie de la réponse déjà tout à l'heure. Donc là, vraiment, si vous n'avez pas trouvé, honnêtement... Mais en gros, sur téléphone, j'ai 5 secondes de différence de temps. C'est quand 5 secondes après, c'est 5 secondes après. Ouais, ah ouais, bah ça te laisse plus de temps alors pour réfléchir. Alors, parce que tu m'entends avant. Okay. Non, tu m'entends avant, donc tu as plus de temps encore. Non, je les vois après que tu parles. Oh putain, tout le monde a trouvé. Donc, ah non, tout le monde n'a pas trouvé parce qu'il y en a qui n'ont pas répondu quand même. Ah ouais. Si je ne m'abuse. Donc 7 personnes ont trouvé, déjà. Bravo. Donc le piège c'était que les origines du totalitarisme c'est de Hannah Arendt. Et moi je sais que quand j'étais plus jeune je confondais toujours Ayn Rand et Hannah Arendt. Alors voilà, il y avait un petit piège. Mais personne n'est tombé dedans. Vous êtes... Ouais, Hannah Arendt c'est intéressant aussi, donc ça fait du bien de la citer aussi ici. Question 20. Keynes était-il gay ? Oui ou non ? C'est plus compliqué que ça, bordel. Non, mais... Ça dépend. Moi, je vais mettre oui, parce que ça dépend il était très proche des milieux. De sous quelle forme ? Les progressistes. Je vous rappelle que si vous avez un doute, il faut répondre comme J.S. aurait répondu. C'est sûr que... Une femme, Keynes. Ouais, non, mais attends. On sait qu'il y a plein de gays qui ont des femmes, hein. Ah ouais, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, ça. D'avoir ouais, une en femme, plus. À cette époque-là, avoir une femme, ça ne veut rien dire. Bon, moi, j'estime que Keynes était gay. Parce que c'est une rumeur qui se trouve à un certain charme. Et voilà. Ouais, non, mais j'avoue. Non, mais c'était une vraie rumeur pour le coup, ouais. Non, c'est pour ça que cette personne aurait répondu. Ah, d'accord, je ne savais pas. Il traînait beaucoup de gays. D'accord. Voilà, Benoît confirme. Ah, moi j'ai dit oui juste pour faire chier. Bon, on va regarder les scores, allez. Où est-ce qu'on en est ? Qu'est-ce que ça donne ? Tout de suite, en plus. Louis de Mise, toujours imbattable. 256 000, putain, mais c'est pas possible. Comment tu fais Putain, 256 000, mal, mais c'est incroyable. Benoît, deuxième. Par contre, c'est serré. Deuxième, troisième. Benoît Vuki là, et puis Ennio qui remonte. Ouais, ouais. Il suffit de deux questions. Franchement là, pour Lagging Guy, par contre, tu commences à être un petit peu loin. Bah, de toute façon, là, c'est bon. Là, le premier quiz Libertaria est fini là, non ? Ah non, il n'est pas fini. Thématique. Il y a 27 questions. Hein, je suis désolé. Alors après, si vous trouvez ça trop long, d'accord, bientôt fini. On pourra couper, mais. Alors. Et c'est Crazy Little Fox qui, je pense, est arrivé en cours de route. Qui malheureusement. Crazy Little Fox, fais attention, je t'invite à mieux répondre aux questions parce que là, tu es dernier. J'ose le dire. Et voilà. Et le dernier. Se retrouve subir une expulsion physique du chat par hélicoptère. Donc, s'il te plaît, fais attention à toi. Et nous loin, qui doit faire attention, Vladjo aussi. Hein. Là, Vladjo. Ouais, mais il va se rattraper le deuxième quiz. Sur le deuxième quiz. Franchement, Joe, si tu gagnes pas au deuxième attends. Il y a une nouvelle question. Lequel de ces économistes est qualifié de proto-autrichien ? Qui est proto-autrichien ? Karl Menger, Marie-Rose Bard, Mises ou Richard Cantillon ? Moi, j'ai mis celui dont j'aime bien le nom de famille parce qu'il me fait rire. Même si je connais aussi quand même ses théories. Mais je sais pas si on peut le qualifier vraiment de proto-autrichien. Enfin, ça dépend. Je sais pas. Alors, le proto-autrichien, c'est Richard Cantillon. Ouais, mais pourquoi le qualifier de proto-autrichien ? Parce que c'était...
Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, officiellement, il y a un consensus qui dit que l'école autrichienne est née avec Karl Menger. C'est lui qui a vraiment mis les cadres, mm-hmm. qui a tout synthétisé, entre guillemets, quoi. Et donc qui a créé vraiment l'édifice sur lequel on a pu construire la maison libertarienne, quoi. Ou en tout cas de l'école autrichienne, pour être plus précis. Et Richard Cantillon, c'était quelqu'un qui était avant. C'est une des personnes qui avait commencé à découvrir les principes, quoi. Mais forcément, il était avant si c'est un proto. Ouais, si voilà, c'est un ça. Proto, forcément, il est avant. Mais il était pas autrichien. Non, voilà, pour le coup, il était pas autrichien, alors que Karl Menger était autrichien. Donc du coup, ça marche pas. Ouf. Bon, de toute façon, je rappelle qu'il faut répondre comme JS répond. On s'en fout que ce soit la vraie réponse ou pas la vraie. À part la fable de la ruche, il a écrit quoi? Je t'avoue que. La ruche, c'est mort vive. Ouais, en plus, ouais. Carrément. Non, il a écrit un espèce de traité, en fait. Hein. Il a écrit un espèce de traité. Et je vous invite à écouter. Moi, j'avais écouté une émission sur le podcast Human Action de Jeff Deist. Qui lui était consacré et franchement c'était incroyable. Le mec, il avait vraiment découvert mais tellement de trucs clés quoi de l'école autrichienne, c'était incroyable. Richard Cantillon, un Français. On avait vraiment des bons économistes dans le passé. Vous pouvez choper en fait essai sur la nature du commerce en général. C'est ça. Voilà. Et en effet, sur Wikipédia, donc ils te disent « Cantillon est parmi les auteurs cités par Adam Smith dans son œuvre majeure, La richesse des nations, où il s'est beaucoup inspiré des idées de Cantillon. Il a été découvert par Jevons, qui décerne son essai le titre de berceau de l'économie politique, puis par les économistes de l'école autrichienne comme Hayek et Rothbard, qui reconnaît même une sorte d'école irlandaise d'économistes qui prolonge la scolastique de l'école de Salamanque, inspire les classiques français et annonce l'école autrichienne. » Voilà, voilà. Non, j'avoue, c'est beau. Et après, ouais, il est connu effectivement pour l'effet Cantillon. Oui, exact. Voilà, l'effet Cantillon qui est, si je ne m'abuse, le fait que. Le fait que quand. Attends. L'injection dans l'économie exerce un effet progressif et différencié sur les prix au fur et à mesure que la monnaie propage par les échanges. Si tu augmentes la masse monétaire, par exemple de 10%, tu n'auras pas tous les prix qui vont tous augmenter de 10%. Il va y avoir certains qui vont augmenter de plus de 10%, d'autres qui ne vont pas du tout bouger, d'autres qui vont baisser. Et c'est complètement inégal. C'est ça qu'on appelle l'effet Cantillon. C'est la... Comment dire ? C'est le contre-feu réaliste de la pseudo théorie du ruissellement qui n'existe. Le seul effet injection de monnaie, etc., et sur son écoulement, ça serait l'effet Cantillon à la limite, mais théorie du ruissellement n'a jamais été théorisée. Et voilà, il faut comprendre que quand tu injectes de l'argent dans l'économie, il faut bien qu'il entre quelque part. Il peut pas s'étaler d'un coup sur toute l'économie de façon égalitaire, et donc les effets sur les prix, on peut se douter qu'il y aura des hausses autour de 10%, en moyenne peut-être, mais c'est absolument imprévisible l'effet final que ça aura. Ok, question suivante. Question 23. Qu'est-ce qui est le pire entre les deux ? La démocratie ou le royalisme ? Putain, bah non, mais facile. D'ailleurs, on va voter des trucs. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes vraiment pas prêts. Aucun libertarien ne le connaît. De quoi tu parles, Adam ? Hein ? Parce que tu parles de royalisme. Ah. Donc t'inquiète pas qu'on va en parler d'un point de vue libre. Autrement que H3. Alors, bah, la bonne réponse était la démocratie, bien sûr. Le royalisme, Adam, le meilleur du pire ou pas ? Une question troll. Ça dépend. Point de vue. Mais
Après, ça dépend. C'est pas forcément du royalisme, d'ailleurs, que H3 parle. Hein, c'est du monarchisme. C'est exact, pas forcément exact, la exact. Même chose. Non, j'avoue. Mais, j'avoue, j'ai honte d'avoir mis royalisme. Après, c'est tout un débat en, science, en histoire politique, hein, entre royalisme, monarchisme, etc. Mais monarchisme, c'est plus lié au système de gouvernement. C'est pas pareil. Mais une monarchie de droit privé... Et Tommy, t'as un commentaire à ajouter ? C'est bizarre, ces trucs. Moi, je reste classique. C'est toi qui as répondu la démocratie ? Non. La République, le royalisme. Ouais, donc l'idée dans la tête de Jean-Sylvain, dans la tête de JS, c'était que le roi dispose de son territoire et en partie de ses sujets de façon privée, et donc il va en prendre soin parce que c'est dans son intérêt. Il va vouloir les. Il va avoir une incitation en tout cas à en prendre soin parce qu'il sait que ça va être légué à ses enfants, etc. Alors qu'en démocratie, c'est on a des gens qui gèrent des territoires de façon temporaire et qui sont que de passage, et donc leur intérêt globalement c'est juste de dilapider ce qu'ils ont sous la main sans trop passer pour des mauvaises personnes, et voilà, ils ont pas l'incitation de la propriété privée à prendre soin des choses et à investir. Lisez Maurras et Tocqueville, hein. Là, ils en ont fait une très bonne critique. Après, bien entendu, ça reste de l'étatisme, ça reste de la merde. En tant qu'anarchape, on ne peut pas l'accepter. Mais c'est le moins pire des systèmes. Et pour répondre à Udiac, dans le sens où ça ne se vérifie pas dans l'histoire, ce que je viens de vous expliquer, c'est ceteris paribus. Voilà. Next question. Question 24. Préparez-vous. Qui est l'inventeur du Bitcoin ? Était-ce Britney Spears ? Était-ce Satoshi Yamamoto ? Était-ce Satoshi Nakamoto ? Ou Satoshi Nakamura ? Ah putain, enculé, va. Elle est chaude celle-là. Ah non, merde. j'ai cliqué rapidement. Parce celui que j'ai qui a cliqué vite pour avoir des points, là franchement, c'était risqué. Ah, il y a Benoît aussi qui s'est gouré. Putain, Benoît, il faut que tu dépasses Louis de Mise, là. Il est seul tout dans les hauteurs. Alors, Élie, j'ai pas qualifié Tocqueville d'étatiste, hein. Même si bon, il l'est un tout petit peu, mais clairement beaucoup moins que Maurras, ça c'est sûr et certain. Alors, c'était Satoshi Nakamoto. Voilà, sachant que c'est un peu une légende. Est-ce que cette personne s'appelait vraiment Satoshi Nakamoto ? Il semblerait que non. Voilà. Ouais, tu vois, j'avais mis Yamamoto. Ouais, parce que non, j'ai mais de toute façon, rapidement. On sait bien qu'on connaît ton amour pour le Bitcoin. On peut pas t'en vouloir là-dessus. Tout à fait. Next question. Quelles sont les couleurs de l'anarcho-capitalisme ? Est-ce bleu, blanc, rouge ? Le rose. Est-ce jaune et noir ? Est-ce le rouge et le noir ? Ou alors, ça n'a pas de couleur parce que c'est anarchie. Le rose, couleur de Radio Libertarien. Putain, c'est vrai qu'en final, je nous ai mis des couleurs quand même très progressistes pour rester politiquement correct, tu vois. Ouais, j'avoue, rouge et noir, c'est vrai que ça fait un peu antifa. Mais le jaune, bah ça alors, rend ouais, mal, le jaune, fait. Tout de suite, ça fait un peu... Très, très t'as pas l'œil, quoi. Non, mais le jaune néon, ouais. Là, en arrière-plan, ça aurait fait dégueulasse. Bon, officiellement, c'est le jaune et le noir. Voilà, tout le monde est bon. Oh, je suis beau. Oh, c'est beau. Oh, on est entre anarcho-capitalistes. Là, franchement, là, je me sens bien, là. Comme à la maison. Je suis fier de vous. Alors, avant-dernière question, question 26. Qui est l'actuel président de l'Institut Mises France ? Est-ce François Guillaume ? Est-ce Pascal Salin ? Est-ce Georges Lannes ? Est-ce Stéphane Gère ?
Institut Mises France récemment créé. Tout récemment créé. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil parce qu'ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de lecteurs, ils ont besoin d'avis pour nous offrir du bon contenu. Du contenu vraiment de profondeur sur tous les sujets qui touchent au libertarianisme. Comme ta mère. Il est tard. J'y ai pensé, monsieur. Tard, ouais. Je suis désolé. Bon, c'était Stéphane Gère. C'est pas Pascal Salon, c'est Stéphane Gère. Donc, si vous connaissez pas Stéphane Gère, je vous invite à. Voilà, exactement. Il porte vraiment trop bien son nom. Donc, c'est le président actuellement de l'Institut Mises. Donc, je vais vous mettre le lien tout de suite dans le chat. C'est un joli site bien ergonomique pour une fois. Oui, il est. Franchement, c'est bien fait. Ça fait vraiment pas longtemps que c'est créé, mais il y a déjà plein d'articles. Il est super intéressant, donc en français. À venir dans les mois ou dans les années à venir, ils vont faire des formations, etc. Enfin, vraiment, c'est un institut qui a de l'avenir. Voilà. Et si vous connaissez pas Stéphane Gère, il a aussi, c'est le fondateur des éditions Résurgence, donc un bon endroit où aller chercher des bouquins. Et il a une émission sur YouTube qui s'appelle Regard Libre, qui est absolument excellente aussi, que je vous conseille. Eh bien, écoutez, messieurs dames, nous allons passer à la dernière question. J'espère que vous êtes prêts. Vous attendez pas un truc de ouf, hein, c'est une question comme une autre. Question 27. Quelle est l'expression favorite de Hoppe? Fundamentally, so to speak, in a nutshell. Non mais mec. Whether you like it or not. Alors, pour info, c'est marqué. C'est marqué en très très petit sur l'émoticône. Ah ben non, du coup, vous le voyez. Vous le voyez à l'écran, ouais. En fait, quand tu mets plein d'émoticônes, ça s'affiche sur l'écran. Alors, est-ce que vous connaissez bien Hoppe? Oh, 4 bonnes réponses seulement. Oh, la déception. Mais je suis content en même temps que mes pièges, ils ont fonctionné. Parce qu'il y a 3 la 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 libertariens. Les la 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 libertarians, so to speak. Écoutez, voilà. Voilà, c'était pour vous rappeler que pour être un libertarien complet, il est important de savoir parler anglais et d'aller à la source. Voilà. Non, ou d'attendre qu'on vous traduise tout ça. Sur Repossession, sur l'Institut Mises France, voilà. Bien écoutez, c'est le grand moment d'émotion où nous allons révéler qui va gagner les prix, qui est arrivé premier et deuxième. Attention les yeux, le score final, Louis de Mise numéro 1, bravo! Et en deuxième, il a pas lâché, hein. Il est resté deuxième non-stop quasiment pendant tout le quiz. Benoît, bravo Benoît, 217 000 points. Respect. Et vraiment pas loin, il y avait Nio, purée, et puis vieux. Ouais. Et bravo à Nio, hein, super. Franchement, désolé de pas avoir de prix pour le troisième. Mais il y a un deuxième quiz après, si vous voulez vous rattraper. Ah, Louis Demis de retour dans le chat. Franchement, Louis, respect, hein. Putain, 319 000. Louis, je t'invite donc à choisir entre deux prix. Bon, l'abonnement, tu l'as directement. Mais tu as le choix donc entre un livre des éditions Résurgence. Donc tu vas sur le site et tu choisis quel livre tu veux. Ou le mug Repossession. Avec Hans Hermann Hoppe dessus. Le même que ce que j'ai en pull. Voilà. Ce que je peux faire, c'est ça. Attends. Où est-ce que je l'avais diffusé, ça? Là. Tac.
J'ai trop d'anglais, malheureusement. Bon, vous allez le voir, vous allez les voir rapidement le bordel de mon canal Telegram. On aime. C'est parti. Voilà, c'est bon, vous le voyez, la tasse ? Non, je crois que ça fait pas les. Ouais, ça fait pas les trucs. Ah, ça fait pas ? Attends, je vais essayer. Je vais essayer de changer ta cam, peut-être. Je sais plus si t'es cam 2 ou cam 3. Je crois que t'es cam 3, toi. Là, tu l'as affiché sur Skype ? Ouais. Tu veux que je l'affiche sur Skype ? Attends. Ouais, attends. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans la conversation Skype. Si je peux. Non, mais écoute, attends, là, c'est pas grave. En gros, Louis, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que t'as le choix entre un mug, un super mug avec au peu dessus, ou alors un livre. Un livre des éditions Région. Il a choisi le mug. Mais... T'as choisi le mug, Louis ? C'est difficile. Ok, pas de soucis. Donc du coup, soit tu passes sur mon canal Telegram, soit sur le Discord. Et pour avoir tes informations quand même de transport, ton adresse, etc. Pour qu'on t'envoie tout ça. Voilà. Donc je sais pas si tu es déjà sur le Discord de Radio Libertarien ou sur mon canal Telegram. Ok. Alors je vais tenter d'offrir les abonnements. Si vous pouvez me laisser 2 minutes, si vous pouviez faire la conversation pendant 2 minutes, le temps que j'envoie les abonnements, et après on va pouvoir passer au deuxième quiz. Ah, t'es sur le Telegram de Radio Lib? Ouais. Enfin, en tout cas, tu as Telegram, du coup. Donc... Alors, comment on va faire ça? Je regarde. Tac, tac, tac. Où est le lien de la chaîne sur Telegram? C'est tellement le bordel dans mon Telegram, c'est horrible. Écoutez, je suis vraiment désolé pour le côté festif, mais là j'arrive pas à offrir l'abonnement tout de suite, donc je serai obligé de vous offrir l'abonnement après coup. Mais parce que j'y arrive pas. Pourquoi tu peux pas le faire tout de suite? Bah, il faut que tu te... Mais ouais, mais c'est ce que j'ai fait, mais je sais pas, ça galère en fait. Non, avec le compte Radio Lib. Oh, Radio Lib. Ouais, ah, ouais. Tu fasses avec le compte Radio Lib. Ouais, l'idée c'était de le faire avec le compte Radio Lib. Mais je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce que mon ordi il souffre, hein, il est en souffrance parce que je suis en train de streamer, mais là il galère. Non, parce que. Passe-moi. J'avais une carte cadeau pour ça et tout, hein, ce serait dommage de pas l'utiliser. Et c'est juste que j'arrive pas à valider, en fait, il me propose l'abonnement, moi je suis d'accord. Mais je vois pas de truc payé ou quoi, ou validé, hein, y a pas. C'est ultra bizarre. Donc voilà, Louis, ne t'inquiète pas, tu auras ton abonnement. Promis juré, on rigole pas avec ça. Tu auras ton abonnement et ton mug. Et de même que Benoît, tu auras ton abonnement. Donc voilà, vraiment désolé de ne pas pouvoir te l'offrir tout de suite. Ouais, non, mais il doit y avoir un truc, c'est pas normal. Mais tu oui, c'est offrir ça, un abonnement là. Et là, bah après, là, je peux choisir. Okay. Après, premier, 1 mois, 3 mois, 6 mois. Et bah, là, malheureusement, je vois pas d'endroit où valider, quoi. C'est...
Tu peux m'envoyer une impression d'écran sur Telegram? Attends, je crois que j'ai une piste. Oh, j'ai une piste. Après, tu vas choisir un destinataire, juste en dessous, de cadeaux à la communauté, abonnement de niveau, tu choisis ton niveau, choisir un destinataire, offrir un abonnement, c'est bon. Oh, c'est bon, je crois qu'on va y arriver, messieurs, dames. Voilà, vous voyez, il faut insister. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais je crois qu'on va y arriver. Alors, Louis Demise, je vais t'envoyer le lien de mon canal. Comme ça, je t'aurai en truc. Comme ça, tu m'envoies ce qu'il faut sur le canal Telegram. Tac. Bon, je comprends pas, j'avais mis une carte cadeau et je peux pas payer avec ma carte cadeau. C'est la déception. Putain, la déception est grande. La déception est immense. Non, il va pas me tirer ma carte cadeau. Ah si, c'est là. Non, c'est pas là. Utilisez votre code. Votre code Twitch. Je sais plus. Voilà, donc tu me rejoins dessus, Louis Demise, et puis moi je te contacte dès que t'es dessus. C'est pas ça que je veux. Ah, c'est bon, on va y arriver. Je crois qu'on va y arriver, messieurs, dames. Je crois que dans une minute, on va y arriver. Ok, c'est bon, je te vois. Yes. Je te fais envoyer un message, comme ça on a un message privé entre nous. Bon, ok, je suis désolé, messieurs, dames, mais là c'est trop compliqué, j'y arrive pas. Il faut que j'arrive pas à utiliser la carte cadeau. Donc, face à ce drame du direct, je vous promets sur ma vie que ce sera fait. Que ce sera fait aussi vite que possible. Voilà. Désolé, Adam. Vraiment désolé. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que on a un deuxième quiz pour vous. Mais avant cela, j'aimerais réafficher mon chat. Pourquoi est-ce qu'il s'affiche plus ? Non, j'ai perdu mon chat. C'est le drame. Pour l'instant, j'ai fait une petite blague à Louis de Mise. Mais non, je rigole, hein, t'inquiète pas. voilà, dans cette conversation privée, tu m'envoies tes trucs. Et puis... Puis dès que tes coordonnées seront rentrées, hop, j'effacerai tes coordonnées d'ici une fois qu'on aura fait l'envoi, pour pas que ça reste sur le net. Voilà. Mais en fait, je lui ai envoyé la photo du mug et je lui ai dit, ben voilà, t'as ton mug. Je me suis trouvé extrêmement drôle. Bon, excusez-nous pour ces petits problèmes de cadeaux. Nous allons donc passer à la suite, mais avant cela, écoutez tous. Je dis au revoir au dernier, c'était Crazy Little Fox. Adieu Crazy Little Fox. Merci d'avoir été parmi nous, mais malheureusement tu as échoué à ce quiz. Voilà, maintenant qu'on a expulsé Crazy Little Fox, j'en suis désolé pour lui. Nous allons pouvoir passer au quiz suivant. Donc le quiz suivant, je vous rassure, il est beaucoup plus court. Il a 14 questions et on va les faire rapidos. Je vais devoir y aller. Bah écoute, merci Nio, merci de ta patience en tout cas vis-à-vis de tous ces problèmes techniques. C'était vraiment cool d'être resté jusqu'à la fin du live. Et bonne nuit à toi.
Ouais, merci mec, et franchement bravo. Grave, 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 grave. Bravo à toi. Bon, écoutez, un petit quiz bonus pour ceux qui n'ont pas peur de se coucher tard. Et ceux voilà. qui aiment Radio Libertarien. Parce que c'est un quiz qui teste vos connaissances de Radio Libertarien. Je sais même pas ce que... Tu nous as même pas dit ce que c'était, donc... Ça va être la découverte pour nous aussi. C'est la découverte pour tout le monde. Alors si par hasard, si de par un heureux hasard, il y a quelqu'un qui arrive en cours de route, sachez que pour participer au quiz et avoir son nom dans les scores, vous devez appuyer sur le petit icône QuizKit qui se trouve à droite de l'écran et vous devez mettre autoriser les accès pour autoriser QuizKit à fonctionner sur votre écran. Après, vous aurez juste à cliquer sur les réponses pour les valider. C'est parti, mon kiki. Question 1. Bonne nuit, Ben. Bonne nuit, Ben. Combien de temps aura-t-il fallu à Radio Libertarien pour obtenir l'affiliation? 1 an, 6 mois, 4 mois ou 2 mois? Merci beaucoup, Ben, hein, et bravo. Hein. Je rappelle que là, vous jouez maintenant pour le livre. Voilà, il y a un abonnement à gagner et un livre. Après, si jamais le premier a déjà tous les livres des éditions Résurgence, on offrira un autre mug, mais bon. Grave. Alors, bah écoutez, ça fait 4 mois. Ça fait uniquement 4 mois. Ah, vous avez été 2 sur 4 à trouver quand même. On pourra s'arranger, Ben. Non, c'est sûr, si tu veux un mug, franchement. De toute façon, ils seront en vente. Faut dire qu'il est beau ce mug. T'inquiète pas. Tu l'auras dans tous les cas. Alors, question 2. Même moi, je l'ai pas, tu vois. Qu'apprend-on inévitablement à l'éducation nationale? Est-ce qu'on apprend l'obéissance, le libéralisme, le plaisir d'apprendre ou le respect de son prochain? Donc ça c'est. Bah ça c'est pour les gens qui ont regardé, qui ont suivi, on avait fait une émission spéciale sur l'éducation nationale, que vous pouvez retrouver sur notre YouTube. Parce que malheureusement Twitch efface les vidéos au bout d'un certain temps. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je la mets en lien. Alors justement, c'est pour le respect de son prochain, Ben, en même temps je te dis bonne nuit, ça dépend quoi. Le respect de sa propriété privée, oui, mais le reste, on n'a pas forcément besoin de le respecter. Non mais oui, la tolérance, ça n'existe pas. Trop bonne réponse. Donc je rappelle que tout ce qu'on apprend à l'école... Voilà, c'est d'obéir. Je sais bien que tu rigoles. Benoît, pas Benoît. Oui, je ne t'entendais plus. Je vais lui couper mon micro pour mettre mon bonnet, pour mettre mon bobeil. Ah ok. Voilà, je rappelle aussi, c'est en passant, que le dernier podcast de Benoît sur Libre et Civilisé est sur l'éducation, et il est absolument génial aussi. Allez, écoutez. Question suivante. Question 3. Adam est-il con? Adam est-il méchant? Adam est-il gentil? Adam est-il pragmatique? Est-ce que je réponds à cette question, hein? Alors là, si vous répondez un truc, mais là, je vais vous tuer, quoi. Je vais vous tuer. Attention. Vous pouvez tout répondre sauf ça. Il y a Vladjo qui en redemande. Toujours plus d'obéis. Alors, est-ce que quelqu'un a trollé? Oh, 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 oh! Il y a quelqu'un qui a osé répondre pragmatique. Je veux savoir qui a répondu pragmatique. Ça va pas le faire, ça. Oh mon dieu. Il a mis 16 clics. Non, mais genre pragmatique, quoi. Con, je veux bien. Mais pragmatique, mais quelle horreur! Putain, c'est l'antithèse d'Adam, quoi. C'est le Mada, quoi. Ah, mais tout à fait.
Donc, écoutez, très bien. Question 4. Quand JS parle de la Bible, à quel livre fait-il référence? Est-ce à Démocratie, le dieu qui a échoué? La trilogie du Seigneur des Anneaux? L'action humaine ou Man, Economy and State? Bonne nuit. Bonne nuit. C'est à la fin du quiz et je me tire. Moi, tu vois, j'ai la Bible et le livre des saints. Ma Bible, c'est le Seigneur des Anneaux, et le livre des saints, c'est Démocratie, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas la même chose. Eh bien, écoutez, c'était l'action humaine. Ceux qui ont suivi un petit peu savent que je peux pas m'empêcher de citer l'action humaine. Honnêtement, s'il faut choisir entre la Bible ou l'action humaine, le choix est vite fait. Que se passera-t-il si Adam est élu en 2022? Je préfère pas savoir. La 6ème République, la sécession ou le retour à la monarchie, on va dire. Allez. Non, après la Bible, c'était un livre important. Est-ce qu'on serait encore là aujourd'hui, là où on est aujourd'hui, sans la Bible? Là, on verra ceux qui me connaissent bien ou ceux qui juste trollent. Joe, méfie-toi. Méfie-toi. La bonne réponse, c'est la sécession. Est-ce que tu confirmes, Adam? On a besoin de ta confirmation quand même. Bien sûr. Pour ensuite mener à quoi, je ne sais pas. Tous à poil dans la forêt. Il y en a un qui préfère pas savoir. Franchement, ça mériterait quelques points quand même. C'est moi. Et Tommy, est-ce que c'est toi? Tu vois, j'ai une bonne intuition. Retour à une question spéciale à Adam. Dans quel crypto faut-il investir selon Adam? Monero, Bitcoin Cash, Ethereum ou Bitcoin? Bah, investir. Ah ben, investir, c'est autre chose que s'en servir comme monnaie. Exact, exact. C'est pareil. Donc là, ceux qui se trompent, c'est pas grave. Même si j'ai une crypto préférée. Le Monero, bien sûr, vous l'avez entendu tout à l'heure, parce qu'on en parle à toutes les émissions. Donc ça va, c'est facile. Allez, trois bonnes réponses. D'ailleurs, sur le shop de repossession, ah, vous pourrez payer en Monero. Et que en Monero. Les autres cryptos ne seront pas... Quelle est la façon la plus libertarienne d'élever ses enfants selon JS? Est-ce forcer son enfant à lire tout Mises? Est-ce l'école publique? Est-ce le homeschooling ou est-ce le unschooling? J'espère que vous êtes anglophone pour les derniers passionnés de Radio Libertarien. Les oiseaux de nuit. Bah, la réponse est le unschooling, bien sûr. Oh, vous êtes trois à avoir la bonne réponse. Putain, je suis ému. Je suis ému que de tant de reconnaissance envers l'unschooling. C'est quoi déjà ce que tu entre fais quoi, comme entre distinction? Unschooling et homeschooling? Par rapport au unschooling. Le homeschooling, c'est que ouais. T'as un curriculum qui est décidé et tu dis à ton enfant, tu bosses ça. Donc en gros, tu imposes un curriculum à l'enfant, alors que dans l'unschooling, tu n'imposes rien à l'enfant. C'est l'enfant qui choisit. Tu lui laisses le libre arbitre. Oui, effectivement, et j'étais pas d'accord. Tu laisses le libre arbitre et que tu considères l'enfant comme un individu à part entière en lui laissant le libre arbitre et en négociant avec lui sur ce que tu estimes qu'il est bon pour lui et ce qu'il estime qu'il est bon pour lui. C'est à mon sens la façon la plus libertarienne d'élever ses enfants. Du Montessori, quoi. Oui, c'est du Montessori. Bah justement, Montessori. Enfin ouais. En tout cas, c'est dans cet esprit-là, on va dire. Ouais, bah, j'ai des exemples où ça n'a pas forcément fonctionné, ça dépend des parce enfants. Que Montessori, t'as quand même un cadre, etc. L'unschooling, c'est vraiment, t'as pas de cadre en fait. Hein.
Voilà. Globalement, c'est ça la différence. Vieille école. Bon, ouais, non, précepteur mais avec des gosses. Ouais, c'est des ça, vous êtes des darons, donc vous êtes, vous voilà, êtes pragmatique on a des pour le coup. Alors. Non, on a juste des enfants et on voit ce que ça donne. Donc, qui est le fondateur de Radio Libertarien le savez-vous? Est-ce que. Dieu. Est-ce qu'il est présent ce soir hein, ou pas? Est-ce qu'il est présent à l'écran? Bon, sachant qu'en fait, je connais pas exactement le prémisse des prémisses. Hein, donc, je vous dis ce que je pense que c'est. Hein. Voilà, il me semble que c'est Ellie. Deux personnes ont dit que c'était Vadim. Une petite pensée pour Vadim d'ailleurs. Petite pensée pour Vadim. Non, qui, ça fait longtemps qu'il est venu. Il y a zéro personne qui ont voté d'ailleurs. Pour Ellie. Mais non. Mais non, c'est Ellie qui a l'initiative de Radio Libertarien, qui m'a contacté, qui a contacté Vadim. Il t'a contacté aussi? Non, en fait, il avait mis plus ou moins une annonce sur le Discord du Pélib. Ouais, et moi je l'avais vu, je lui ai dit ouais, je suis chaud pour donner un coup de main. Voilà. Mais non, c'est bien Ellie, notre chère Ellie. Qui bosse beaucoup, donc du coup, il n'est pas forcément aussi présent qu'il l'aimerait. Voilà, il prépare deux cursus en même temps et tout, donc c'est un peu compliqué pour lui. Alors, qui nous a renseigné en direct sur les tarifs moyens d'une prostituée en France? Est-ce que c'était Adam? Est-ce que c'était Etomit? Est-ce que c'était Ellie? Ou est-ce que c'était Vadim? Alors, moi, je voterai Adam. Je sais pas pourquoi. Bon, déjà, je suis rassuré, je suis pas dedans. Ça, c'est plutôt bien. Bon, alors, je suis désolé pour ta réputation, Vadim, parce qu'on t'aime beaucoup. Mais voilà, le fait est que c'était toi qui nous avais renseigné, donc j'avais trouvé ça drôle. Et instructif. Putain, Ah ouais, je comprends pourquoi t'as dit piège. Tu vois, j'aurais voté pour toi et tout. J'ai aucune idée, tu vois. Ah merde. Ouais. Ah ouais, d'accord. Voilà, après, j'avoue, c'était des tarifs qui étaient d'il y a quelques années. Hein. Après, ça dépend de la marchandise. Très important. Vadim, que l'on salue. Sachez qu'il a une chaîne YouTube il a vraiment quelques très bonnes vidéos, notamment une sur où il explique le libertarianisme. C'est vraiment intéressant. Ça s'appelle Vadim Media sur YouTube. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Voilà. Donc, au plaisir, Vadim. Triste de ne pas t'avoir vu ce soir. Qui a porté un toast à la candidature du Z? Est-ce que c'était Adam? Est-ce que c'était Etomit? Est-ce que c'était Ellie? Ou est-ce que c'était JS sans liberté? Alors moi, je crois que c'était Ellie. Et ben vous savez quoi? Adam, parce que Adam, il est pro Zemmour à fond. Ouais, je suis à fond Zemmour. Oh. Toutes les nuits, j'en rêve. Je rêve que je le suce là à fond. Qui t'appelle Sarah? Z. Oh. Un peu comme dans la vidéo que t'avais partagée. Eh ben non, c'était pas Adam, c'était JS. C'est JS qui est à fond derrière Zemmour. Oh, tout le monde le savait. Putain, ça a marqué les esprits. Ouais, c'était facile. Très bien. Content que le message soit passé. Alors, Radio Libertarien a streamé combien d'heures depuis sa création? Dans ouais. Combien d'heures? 25 heures, 50 heures, 75 heures ou 100 heures? Ah, c'est pas facile, hein? T'es sérieux, c'est quoi cette question? J'ai jamais dit que ça, c'était facile et que vous avez les réponses, hein? Je sais pas, on a streamé 50 heures, peut-être? Un peu plus. Oh, quand même, on a fait des émissions de 4 heures, donc. Je rappelle ouais, ça fait 4 mois, hein, 4 mois qu'on stream. En moyenne, ça doit faire 2 heures par semaine. Ouais, ça fait 4 mois, 12. Alors là, tu vois, je dirais 50. Ouais. 50, j'ai pas répondu 50. Au quiz, hein. Je dirais 50. Voilà. Ah ouais, c'était 25 ou 50? Non, 25 quand même, ça fait pas beaucoup. Hein. 25, ça fait trop peu. Vu que quand c'est moi qui tiens le stream, on dure 4 heures, donc c'est trop peu, 25. Déjà, en un mois, on a tout rattrapé, tu vois. Donc. Mais non, c'est vrai que ça peut aller vite. Je vous rappelle dans le chat que vous pouvez utiliser vos Libcoins
N'hésitez pas. Il y a plein de belles choses à moins que vous vouliez économiser pour avoir des récompenses plus croustillantes. Alors, question suivante. Qu'est-ce que j'ai mis comme question ? À qui est célibataire ? Est-ce que c'est Adam ? Est-ce que c'est Etomite ? Est-ce que c'est Ellie ou est-ce que c'est JS ? Faut que je me recoiffe. Est-ce que c'est un signe pour essayer de choper Est-ce qu'il y a une nana sur le Alors, chat ? Alors, petit message, s'il y a une jolie libertarienne sur le chat, il y a un célibataire à l'écran. Pour l'info, il s'appelle JS en liberté. Donc, n'hésitez pas à me contacter par MP sur le Discord. Ce serait avec pour moi, histoire de ce serait dire, plaisir. C'est pas grave, ma femme me saura. Ah, c'est la minute poète. Oh, la minute poète. La minute poète. Trop bien. Alors, attendez, concentrez-vous sur la question parce que j'ai lancé et puis après, il y a la minute poète. Donc, la question, c'est qui a besoin d'un timer pour le faire taire ? Est-ce Adam ? Est-ce Ellie ? Est-ce Arthur ? Ou est-ce JS ? Ah, franchement, pu, là, il y a plusieurs choix. Parce qu'au final, on disait ah, machin, gna, mais hein. Ouais, mais la question, c'est qui a besoin d'un timer ? Et on sait qui a besoin d'un timer, parce qu'on avait créé un pour lui. Mais c'est Adam, bien sûr. Au final, il y en a c'est pas surtout besoin. À chaque fois, on a oublié de l'utiliser, quoi. Mais honnêtement, ça aurait pas fait de mal, je crois, parfois. C'est ça. Parce que ce que je dis est tellement intéressant, tellement profond. Ouais. Donc, du coup, c'est la minute poète. le petit poète. Le ventre d'Albert Mera. Appuyé sur les reins et sur les contours blancs, des cuisses au-dessous des merveilles du buste, le ventre épanouit sa tension robuste et joint par une courbe exacte les deux flancs. Les tissus de la peau sont à peine tremblants du souffle qui descend de la poitrine auguste, et leur nubilité sur les hanches s'ajuste et s'y fond en accords superbes et saillants. Un enveloppement de caresses ou de vagues et termine la grâce et dessine un pli vague des deux côtés sur la solide des chairs. Au milieu, sur le fond de blancheur précieuse, le nombril conque rose et corolle au pli clair. Entr'ouvre son regard de fleurs silencieuses. J'aime particulièrement. C'est fini. Ah bah oui, j'ai pris des cours pour pas non plus. Parce que sinon, dans le chat, voilà, ils vont plus se tenir après. Si je suis. J'avoue, surtout à cette heure-ci. C'est ça. Bon hasard pour ma femme. Il garde des cartouches. qui a un OnlyFans ? Oh putain, je crois que c'est la dernière question, ça. À mon avis, c'est la dernière question, messieurs, dames. Est-ce Adam qui a un OnlyFans ? Est-ce Etomite ? Est-ce JS ou est-ce Ellie ? Un compte où on produit du contenu ou un compte où on consomme du contenu ? On produit du contenu. Ah oui, non, c'est du lourd. C'est du sérieux. Hein. Alors ça, par contre, c'est un secret. Hein. Vraiment, il faut que ça reste entre nous. Vous le dites à personne. Hein. Mais c'est Ellie. Ellie a un OnlyFans. Notre boss. Notre boss à tous. Ah non, c'est pas Adam. Il y en a qui ont vraiment cru. Bon, en tout cas, s'il y en a un, il est secret. Là, pour le coup, il est top, top secret. Bon, bah écoutez, on va regarder les résultats. Qui va gagner le livre ? Ou le mug, au choix ? Oh putain, c'est Louis de Mise encore qui est premier. Oh, c'est pas vrai. Il a encore explosé les scores. Sérieux ? Mais il me l'a dit sur Telegram. Il m'a dit : attends, je dois me focus sur le deuxième quiz. Je me concentre. Je vise le double coupe championnat. Putain, eh bravo. Et Vuki, putain, Vuki. Ça y est, Vuki qui empoche un abonnement. Putain, ça c'est top.
Ouais, franchement, Vladio, putain. Par contre, Joe, tu me déçois, là. T'as de la chance d'être paumé dans tes montagnes, parce que là, tu me déçois fortement. Ah ouais, non, là, franchement, c'est abusé. Putain, Vladio, on était persuadés que ça allait être toi, quoi. Que ça allait être toi qui allais gagner, quoi. Ouais. J'étais ravi, j'étais là, je vais pouvoir lui envoyer un petit bug à mon collègue, mais... Eh ben, écoutez, je vais rallumer mon autre micro pour fêter ça. Tu fais de ça et moi, je me casse après. Bon alors, tant pis, j'ai parlé mon autre micro. Bah écoute, Etomit, merci beaucoup hein, d'avoir été là, d'avoir participé jusqu'à 2h aussi tardive. Alors moi, je suis pas en vacances, mais j'avoue, je commence tard le travail demain, donc ça va. Moi, je suis en vacances. Je suis chômeur, je me lève à 6h demain, et je finis tard. Je suis pas chômeur, je suis mon propre patron. Ouais, mais ça en valait la peine. Ben, un gros merci en tout cas, Tomit, hein, d'avoir été là. Bonne nuit, c'était bien cool. Yes, bonne nuit. Bonne nuit. Alors, hop. Bon, bah très bien. Bah écoute, Louis de Mise, vraiment chapeau. Hein. Chapeau bas. Oula, je suis un super gros mec. Je suis sorti du club. Et c'est la fin, là, tu vois, je dépasse les bornes. Adam, incontrôlable. Bah écoutez, hein, chapeau à tous. Merci à tous d'avoir suivi ces quiz. Et franchement, vous avez des bonnes connaissances en radio libertarien. Je suis impressionné. Hein. Ouais, c'est bien. Parce que les questions étaient quand même pas évidentes. Mais je pense qu'on pourrait faire ça de temps en temps, tu vois. Alors oui, effectivement, c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire un sondage à mi-chemin pour vous demander si vous vouliez faire. Et j'ai oublié. Donc dites-nous dans le chat quand même si vous voulez qu'on refasse ça à l'occasion. Peut-être quelque chose de plus court, parce que là, c'était un peu long, quoi. Plus court. Là, il était un petit peu long. Ouais. Mais refaire des quiz comme ça, un peu plus court, où on offre soit des abonnements, soit bah voilà, un petit goodies, c'est plutôt cool. Ouais, c'est clair. Et puis, c'était sympa. Vous êtes bien amusé avec les Leapcoins. Franchement, c'était drôle. Je suis triste quand même que personne n'ait payé pour avoir le monologue complet de John Galt récité par Adam. Ouais, non, mais là, vous pouvez vous gratter, les gars. Là, si quelqu'un un jour arrive à le payer, il faudra faire un live dédié John Galt. Là, je le dirai John Galt en entier. Bah oui, Yuki. Yuki, c'est bien. Franchement, tu t'étais bien chauffé avec le premier, et puis après, boum, quoi. Et après, c'était bon, quoi. Bon, dommage du coup que tu n'aies pas gagné le premier prix. D'ailleurs, Louis de Mise, si t'es toujours là, n'hésite pas sur Telegram à me dire du coup, t'as déjà le mug, donc ça sera dont tu aurais besoin. Puis Yuki, du coup, ce sera la prochaine fois. Bah ouais, on vous enverra ça avec grand plaisir. Et non, vraiment, c'est... Ça nous fait plaisir de vous offrir des cadeaux, parce que si on est là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à vous, grâce au fait que vous soyez présents et vous interagissez et vous faites vivre l'émission, et je pense que c'est positif pour tout le monde, quoi. Ah, dommage, Yuki, Keynes, c'est pour Etomit. Oh, on a bien une citation de Keynes sous la main quand même pour... En trouver une, mais c'est Tomic le spécialiste. Ah bah j'avoue, hein. On la garde pour la prochaine fois, alors. La prochaine fois qu'Etomic sera là, et que Vuki, tu seras là, idéalement. Une petite citation. Alors d'ailleurs, pour les tout derniers restants, je sais pas qui reste. On maintient la revue d'actualité, elle sera au 30, elle sera ce jeudi. Du coup, normalement, je devrais être tout seul pour présenter du coup demain. On est déjà minuit 15, bordel. Demain dans la théorie, après demain dans la pratique.
Voilà. Normalement, je devrais être seul pour présenter cette revue d'actualité. Je me disais, on pourrait tester quelque chose. On verra, j'en reparlerai pendant le live, donc demain, du coup. Faire une forme de radio libre. Donc, ceux qui veulent intervenir en audio ou même en vidéo, s'ils veulent montrer leur petite bouille, pourront le faire. Voilà, pour interagir ensemble encore plus sur l'actualité demain. Oh, j'avoue, c'est chouette, ça. Bah, si je suis tout seul, voilà, je peux pas balancer mes crottes de nez à la figure, tu vois, de quelqu'un, tu vois. Enfin, ça va être un peu moins interactif. Donc voilà, je me suis dit, ça pourrait être sympa. Putain, j'avoue, je sais pas ce qu'en pense le chat, mais moi, je trouve que c'est vraiment une super idée. Donc ouais, les gens pourraient juste parler même sans se montrer nécessairement, quoi. Ouais, c'est pas un souci. Ne serait-ce que parler pour donner son avis un peu plus... De façon un peu plus... comment dire, profonde et limpide que juste une phrase sur un chat, quoi, tu vois. Donc tu peux pas forcément... Ah ouais, non, bah c'est sûr, ouais, ça n'a rien à voir. Donc je pense que ça peut être sympa. Voilà. Ah, cool. En tout cas, c'est à tester. Ouais, grave cool. Et je profite du fait que je sois seul demain pour pouvoir tester ça. Génial. Et donc c'est à 21h comme d'hab, hein, c'est ça? Tu devrais régler mon cadre. Attends, ton cadre là, voilà. Ça c'est bien. Ouais, c'est demain soir 21h au lieu du vendredi. Hein, parce que bon, j'espère que vous allez fêter la nouvelle année, lol. Moi, je le fête pas personnellement, donc bon. Je sais pas toi, mais moi, ça m'a toujours fait rire, en fait. Ouais, bonne année et tout. Et au final, en fait, tu te fais autant enculer que l'année précédente. Au bout d'un moment, ça casse un peu les couilles, quoi, tu vois. C'est un truc, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Moi, ce que j'aime bien, c'est que souvent, on fait le bilan de l'année, quoi. On dit, tiens, j'ai fait ça. On revient un peu sur le passé, en fait. C'est une bonne façon de revenir sur le passé, de dire, qu'est-ce que j'ai fait de cette année. Je suis trop revenu sur le passé, moi. Ouais, mais tu vois, en même temps, c'est le passé proche, quoi. C'est sur l'année, quoi. Et ça te permet de voir, quand même. Je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal, c'était cette durée de 12 mois. Et quand tu réfléchis là-dessus, je trouve que ça te donne un petit peu un guide après pour l'année d'après. Hein. Moi, de ce point de vue-là, en fait, je trouve ça sympa. Après, sinon, ouais, c'est une fête. Hein. Voilà, quoi. Bah, après, justement, en parlant de retour sur l'année passée, on fera une revue d'actualité spéciale à la rentrée. Enfin, à la rentrée en janvier. Pour, justement, récapituler un peu tout ce qui s'est passé cette année, faire le point un peu sur ce qu'on nous a dit et sur ce qui s'est fait. Ouais. Bref. Préparer un petit live comme ça, récapitulatif. Je pense que ça pourrait être intéressant. Je pense même que ce qui serait vraiment intéressant, c'est de faire un récapitulatif au final du mandat de Macron. Ah oui, oui, oui. Parce qu'au final, c'est ça qui a fait le plus l'actualité, c'est les gilets jaunes, le Covid, ouais, etc. De voir un peu ce que Macron a donné en 5 ans. Ça pourrait être intéressant. On verra. En 4 ans et demi, hein. Dieu sait ce qui peut encore nous arriver dans les derniers 6 mois. Oui, 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 c'est sûr. En quelques mois, il peut nous foutre la Troisième Guerre mondiale, s'il a envie. Mais ouais, je pense que ça pourrait être intéressant. En tout cas, on va voir ça ensemble. Mais en tout cas, je vous dis surtout à ce jeudi pour la revue d'actualité. J'espère que vous serez présents parce que bon, si je me retrouve tout seul, ça va être un peu déprimant. Moi, je pense que je serai pas bien loin. D'accord. Bon, enfin, on verra. Enfin, voilà. Si jamais, Louis de Mise, tu es toujours là, envoie-moi un message, hein, surtout, hein, sur Telegram, pour me dire quel livre t'intéresserait aux éditions Résurgence. Comme ça, on pourra régler ça rapidement avec JS pour t'envoyer tout ça. Bon, c'est bien, ça facilite la chose, comme ça on a juste une adresse à retenir, c'est réglé. Voilà. En tout cas, tu vas être servi. Hein. C'est clair. Bon, écoute, moi en tout cas, ça m'a bien plu, j'ai passé un bon moment, merci à tous d'avoir été présents.
d'avoir joué le jeu. Et donc, bah, jeudi. À jeudi soir, alors. C'est ça, jeudi soir. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. D'affilié. Voilà, d'affilié. Donc n'hésitez pas, hein, surtout. Hein, ceux qui ont perdu, c'est pas grave, vous pouvez quand même acheter un abonnement. C'est clair. Enfin, faut pas perdre le nord. Bon, allez, c'est cool. Bonne nuit à tous. Allez, bonne nuit. Bye bye. Ciao. Merci d'avoir suivi l'émission. Expulsion physique des ports démocrates.